On va... C'est pas un jeu qu'on pourra terminer, ça. Terminer, je suis pas sûr. Non, je veux juste T'es que sûr? l'affaire roule. Je veux avoir un beau projet. Bah... Non, mais attends, le problème c'est que l'affaire peut être de mieux en mieux. Où est-ce qu'on s'arrête? Oh! Oh, on va pas non plus racheter toutes les stations essence du pays. Bah... Quoi? Tu Non, me j'ai fais mal à la peur. couille. Tu me fais Mais peur. juste... Bah, j'ai peur là. Ouais, tu me fais encore peur. Non, en fait, j'ai peur. Il a mal à la couille. En fait, avec ces histoires de tensions testiculaires, ça fait peur à tout le monde cette Ouais, histoire. puis Alors qu'avant, j'aurais juste eu mal et je me serais rien dit de plus. n'aie pas un cancer parce que c'est mauvais pour mon business. Je te retourne le compliment. Ouais, bah je fais très attention à ne pas avoir de cancer parce que je sais que c'est mauvais Autre pour ton fois, business. si toi ou moi on meurt, Ah bah il y en c'est a pour relou. au moins un an et demi de Ouais. vidéos best-of. Ah ouais, ah ça va. Mais Ouais, après franchement. la perte, après il y aura une perte sèche. Mais bon. Après, oui, mais regarde, un an et demi de Ça best-of. donne le temps de rebondir. Oui, déjà, et en plus, tu colles des intros sponso. C'est juste qu'il y a pas de deuxième intervenant ou tu fais un intervenant avec une voix Mais faut déformée. juste plus dire, faut juste pas dire que je suis mort ou que t'es mort. Faut juste dire, on a plus trop envie de faire des lives en ce moment, mais Ouais. les vidéos seront toujours là, pas de problème. Ouais, ça, Et on n'a pas c'est trop envie de faire ça. les nouveaux jeux aussi, ça nous casse les Oui, couilles. on va tourner sur des bons trucs à l'ancienne. Chaîne rétro. Allez, j'ai plus ma save. Quoi? J'aurais... Oh là là. Je déconne, putain. Bah après, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Eggy, donc bon. C'est vrai. On joue à quoi? Bah à la station essence, bien évidemment. Il y a rien Un jeu d'autre. Hasbro. Un jeu Hasbro, le meilleur. Par contre, alors, je préviens direct. On joue à trop de jeux tout le temps. J'ai déjà oublié comment on joue. Ça va vite revenir, mais je vais faire des erreurs. Voilà, c'est pas grave. Mais regardez, la poubelle est pleine, la pompe à essence, la caisse, genre, il n'y a rien qui va. Voilà, vous comprenez, il n'y a rien qui va. Mais ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait elle là qui me prend de la thune d'ailleurs. Donc c'était tab. La poubelle. Hop. You're kidding. Oh, je suis perdu, mec. C'est. Euh, C'est honteux, c'est c'est vrai, honteux. vrai que c'est vrai que le travail était impeccable parce que t'allais vite, mais Ouais, c'est ça. En fait, faut aller très très vite et. on s'était arrêté au stade où la poubelle pue déjà, hein, juste. Déjà? Bah oui, regarde Il la y a le poubelle mode verte à fast. l'intérieur. Ah non, ça c'est clic gauche pour arrêter. Désolé. Désolé, j'étais en vacances. Oh, vous êtes dégueulasse. Là, avant que je fasse tout ça, il faut qu'on revoie nos objectifs. Je vais peut-être fermer la station pour qu'on fasse le point. Parce que là, il faut qu'on soit au D'accord, mais courant de moi nos j'ai un problème objectifs. avec cette station. Elle est moche, oui, je Parce sais. que j'aimerais que tu m'expliques Elle est comment horrible. ça se fait que Attends. j'ai monté en live un Destroyer, j'ai monté en live un X-Wing, j'ai monté en live un gant Lego. Ouais. Pourquoi je vois Sofiane qui a une énorme OP Lego? C'est vrai? Ouais. Au moins ils m'ont juste envoyé un Titanic mais gratuit. Allô? Allô? Moi, ils m'ont envoyé l'étoile noire gratuite, c'est bien, mais je veux dire, les gars. Les Garage. gars, quand même! Putain, pourtant Y en a qui on taffent! est sympa, on vous a montré ça, construit bien. Hein. Les gars, y en a qui taffent ici! Je suis pas jaloux, hein, attention! Hein. On Voilà, est. je fais juste un petit aparté qui a un rapport avec la station-service. Maintenant, on peut continuer de nettoyer. C'est pas comme si on avait mal construit nos bousins. Hein. D'ailleurs, c'est On pas a comme plus de si roues! mon X-Wing s'était cassé, mais bon. Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Moi, rien! Disons que je vis avec quelqu'un qui, peut-être, en mettant son manteau, Oh! a donné un grand coup dans les X-Wing. Ouh, le coup de manteau! Et puis je peux te Bah, dire faut que je prenne qu'une des fois que c'est roues. cassé, le bousin c'est mort. Hein. Tu reprends tout de zéro hein, si tu veux le réparer. Aïe aïe aïe. Je veux commander des roues. Ah, j'aime pas être perdu parce que la dernière fois j'étais tellement fluide. Ça me saoule. On aurait du live Et puis pendant 24 heures dessus. on a du pognon ou pas? Pas Ah. beaucoup. On a les 1000, c'est Je déjà vais ça. prendre beaucoup de roues quand même, quelques miroirs. Mais il me faut surtout des roues parce qu'on manque toujours de roues. Faut toujours mettre des roues. Je suis à combien là? Quoi? Non, faut vraiment se renseigner sur la next step là. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Popularité, ça arrive. Carburant restant, on n'est pas très bien. Ah, en fait, il faut dépenser masse de carburant, en fait. On est à 17% du carburant, il faut juste vendre, 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 vendre. Attends, je suis perturbé par la vanne d'un mec dans le chat que j'arrive toujours pas à comprendre. Ça fait vraiment 15 secondes que j'y réfléchis, je la trouve, je comprends pas. Vous Tu étiez pas peux censé t'aider? échanger la prise de Wankil ce soir, Kappa? Mais je sais pas de quoi il parle. Échanger la... Échanger la prise de Wankil. Alors, Je te jure que est-ce qu'on est censé je ne échanger comprends quelque chose? pas. Est-ce qu'on est censé échanger quelque chose? Échanger la prise Eh, mais de prends pas de Wankil. l'argent, tu travailles pas, tu fais rien! Arrête! Bah encore... Non mais attends, c'est normal Non, que je non, sois non, payé non! même s'il n'y a pas de client. Eh bien, ça devrait pas être comme ça, voilà, moi j'ose le dire. Client à pompe à essence, j'arrive, j'arrive, car c'est pas écoute. Ok, c'est quoi pour aller vite? Shift, pardon. Ah ouais voilà, mais attention à ralentir quand... Oh! Oh, faut y Ah aller. ouais. Ouais, c'était pas idéal, mais... Celle-là va être excellente. Et... Attends, jusqu'où allait notre business? Je sais plus ce qu'il fallait faire pour l'améliorer. Bah, c'est ça. Est-ce qu'on doit reprendre un employé, peut-être, pour mettre un employé au garage? Est-ce que aussi les employés peuvent gérer leur propre stock? C'est ça que je me demandais ça aussi. Non, 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 bah c'est pas... Le Enfin moi je carburant est m'imagine faible. que si tu gères une station-service, c'est pas toi qui fais le réassort. Enfin si, tu peux techniquement, mais c'est pas à toi de commander. Bah, ce serait bien. Mais bon. Commander. 480 dollars, mais on n'a rien, on n'a pas Et d'argent, on pas n'a... augmenter le réservoir une bonne fois pour toutes de la cuve. Bah, il est déjà, en fait, il augmente quand... Avant, on pouvait pas en mettre autant. Mais le truc là, c'est qu'on n'a pas d'argent, on n'a tout simplement pas d'argent, en fait. Oh non, pas Enfin, un et prêt. le prêt, ça m'énerve vraiment. Bon, alors, Un folle prêt. Hein. on va faire ce mec au garage, ça va nous donner de l'argent. Mais j'aime pas, en fait, depuis qu'on a... J'ai l'impression qu'on était trop bien, et depuis quelque temps, on est en galère financière. J'aime pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. N'oublie pas que tu peux pousser le camion, hein. Regarde, je tape pour lui dire qu'il peut y aller. Allez, salut! Dommage que t'aies pas de sound effect. Mais Ouais. j'imagine bien le bruit du métal qui tape deux fois. Ouais, là j'ai juste tapé mon bureau et apparemment tu l'as même pas T'as déjà entendu, fait tu ça fais à ça. quelqu'un dans la vraie vie? T'as tapé sur son capot derrière pour lui dire qu'il pouvait y aller? Taper sur le toit de sa voiture? Genre deux Non. fois? Non, mais je Moi pense non que je le plus. ferai tout le temps maintenant parce que c'est très stylé. Les gens J'ai envie comprendront de le pas. faire au moins une fois pour voir si quelqu'un comprend. Les gens comprendront pas, mais ça me va très bien. Bon, t'es chargé de lire le chat, franchement, encore une fois, j'ai même pas le temps. Mais où sont mes... Il m'a pas... Où sont mes roues en fait? Tu les as mis sur l'étagère? Bah, j'ai Attends, mis le tu l'as renfermé carton. le camion déjà. Oh, pardon, pardon, Prends ton pardon, allez. balai, vire-le! Ah oui, c'est vrai. Non, le balai avait posé des problèmes. Je range le balai. C'est bon, il est parti. Donc là, normalement, j'ai mes roues. Parce que j'ai Non, je besoin de crois cet pas que argent. la pastille rouge veut dire que le produit est plus cher et que c'est pas rentable, Ah, mais c'est ce comme serait ça qu'il idiot. faut faire. Ok. Je sais pas ce qu'elle signifie la pastille rouge sur les produits, mais je pense pas que ce soit ça. Pastille rouge Enfin, sur des personne produits. n'achète un produit pour le vendre moins cher, déjà c'est illégal. Allez. Alors, et là, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Oh, il a bien pété là. Et on va devoir lui faire on va devoir lui faire la Ah, totale avec pastille ça. rouge, c'est quand tu n'as que t'as plus de stock. Ok, donc t'oublieras pas, pastille rouge, plus de stock. Je dois mettre entre les deux verres, j'imagine. Entre les deux, j'imagine. Ou alors... Putain, ça met longtemps à Bah s'arrêter. là, Ça fait j'imagine que long. c'est parfait. Ouais, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'appuyer. 215 dollars. Parfait, je commande de l'essence. Mais avant, le client est roi. Oh, et surtout la police. J'adore la police. Ouais, pardon, la police. Ah, cab, mets-lui de l'eau dedans. J'adore la police. Oh bah alors là, je ne sais plus comment faire. Oh! Oh! Vous avez pris votre temps, monsieur l'agent, parce que... Quoi? Mon argent? Oh, Oh, tu t'es fait couiller. je me suis fait couiller. Mais il y a toute la police du comté ici ou quoi? Il y a trois bagnoles de flics sur mon terrain. Oh mais... Bon alors maintenant, apparemment, pastille rouge, on me confirme que c'est la hausse des prix et qu'il faut pas acheter. Et c'est où? C'est marqué où?
Bah quand t'achètes des produits, s'il y a une pastille rouge, ça veut dire qu'il faut pas l'acheter parce qu'en fait ça a Ah perte. merde, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de roues pour rien là. Et donc là, l'essence, ça va, vas-y, je prends de l'essence. 480$. Il nous faut de l'essence, hein, je prends. Ou alors je prends que 100 litres. Franchement, ouais, tu prends que 100 litres, mais bon, tu Parce vas te que faire chier à c'est une remplir galère. la cuve. Hein. Ouais. Client pompe à essence. Voiture réapprovisionnée, 4 sur 45. Client serve à la caisse, 3 sur 100. Eh, en fait, prends un Oh. salarié Ouais. à foutre à la pompe. Ouais, je crois qu'à la pompe, hein. Parce que la pompe, ça peut s'enchaîner si on laisse passer les gens, enfin, si c'est fait rapidement. Et comment on recrute un nouveau salarié? Je vais aller voir si... Pleine poubelle. Oui, 2 secondes. Ah, c'est pas à perdre, c'est juste moins juteux. Oh, mais bah... C'est pas ici qu'on recrute les... Ah bah non. Ça, c'est juste là où ils dorment. Mais alors, combien on en fout là-dedans? On s'en foutrait 3. 3 peuvent dormir là-dedans. Bon, je vais aller voir. C'était dans quel menu les... Les employés. Ah, je m'en souviens. Employé. C'est le 3. Ah non, c'était je m'en Embauché. souvenais pas. Vas-y, vas-y. J'embauche. Embauche, de toute façon, ils vont XP au pire, donc prends le moins cher. J'embauche John pour la À diversité. la... Pour, Pas de dans le place. ravitaillement, hein. Dans le ravitaillement. Pas de place dans la, pour la remorque. Ah, attends, on peut pas. Donc là, faut que j'achète Ça va en un acheter un deuxième? Ah deuxième. oui, un Faut que deuxième. j'achète un Ouais, deuxième vas-y, camping-car. vas-y. Mais je peux pas pour Achète. l'instant. Il faut faire un peu d'argent. Mais on n'a pas d'argent. Oui, je sais, c'est une galère. On est pauvre, j'aime pas être pauvre, c'est pas normal qu'on soit pauvre. Hein. On a fait un truc qui va pas. Hein. Mais monsieur, vous Et shootez lui, il quand même. shoot dans le sac, mais il se fait pas chier, hein. Foiré, bah, tu crois que t'es... tu bosses ici ou quoi? Ah, et puis j'avais oublié que c'est tout le temps dégueulasse et que les gens après ils sont pas contents quand c'est dégueulasse. Attends, il nous faut. En fait, si quelqu'un gère la pompe Non! et que quelqu'un gère la caisse, toi, t'as juste à gérer les superficiels. Moi je veux bien faire Là. l'arrêt pro et. Non, non, pas la réappro, toi fais la réparation de véhicule. Quoi? J'ai appuyé sur rien! J'ai appuyé sur rien! Putain, bah ouais, voilà pourquoi Mais quelqu'un j'ai doit même pas s'occuper de la appuyé pompe. là! J'ai pas Oh appuyé! putain, mais ouais, mais. Mais c'est incroyable! Eh, la irréputation qu'on va avoir, Même là oh là j'arrive pas à là là sortir là. du truc, c'est. Ah vas-y, la prochaine fois je vais me concentrer, mais je comprends pas. T'as plus d'essence. Ah! C'est peut-être pour ça. Mais il est là, non? Oui, il est là. Ah mais oui, tu lui as pas ouvert la vanne. Oh Oh Pietou, tu gueule! veux sortir Eh, hein. ta gueule! Eh, tu veux. Ta gueule! Ta gueule! Je peux pas? Ah. Ouais mais c'est débutant. C'est bon de faire les fonds de tiroir hein. On a besoin d'argent, monsieur, dame. Ouais, je peux pas, lui, c'est chiant. Ouais, je pense son coffre il est collé. Dommage. Vous avez fini? Ah ouais, 100 litres, c'est pas beaucoup, apparemment. C'est vraiment pas beaucoup. Ah, puis les paniers à 2 balles. Allez, sortez de là. 2 euros, n'importe quoi. Sortez de là. 448$, c'est bon, achète un deuxième camping-car et on recrute un employé. Vous devez améliorer Quoi? votre Ah station. putain, Non, non, c'était la non. connerie. Non. Ça, c'était la couille, Non, c'est pas c'est possible. sûr. Ah, ça a quand même pas mal monté pour le peu qu'on a fait, mais quand même. Pouah, c'est dur, hein. Bon, ça monte, hein, mais c'est dur. En vrai, c'est dur. Ok, bon, bah. Faut bosser, hein. Faut bosser. C'est la merde. Garage, pas mal d'argent. On aime bien. Porte arrière de l'entrepôt ouverte. Oh, si on se fait voler les stocks. Oh, il prend toutes mes roues! Bah tant mieux, ça fait un fric monstre. Suis pas sûr de ça. Putain, on les a achetés un peu à la mauvaise période, tu sais. Ouais, mais on est obligé. Ou alors, quand tu vois que c'est en vert, vraiment t'achètes de quoi faire un plein complet. Ouais, bah ouais. Oh, du pain complet. Faut. Oh. Faut qu'on attende les soldes en fait. Par contre, je pense que j'ai fermé la. Je pense sérieusement que j'ai fermé la porte arrière. Donc si c'est faux, là, cette personne sera bannie. Hein. Je suppose que t'as noté son pseudo. Je l'ai pas vu. Mais un modérateur a dû le repérer. Oui, non mais je suis sûr En qu'il revanche, si est. c'est vrai, tu n'oublieras pas de le remercier en personne. Bien sûr, mais je suis sûr qu'il a tort. Hein. Il n'y a pas de problème, puisque je sais Pour exactement ce que moi, j'ai t'avais fait. fermé la porte. En fait, quand on ferme la porte à l'avant, ça ferme celle à l'arrière. Et ça, on dirait quelqu'un qui a mal révisé sa copie, parce que là, c'est la base quand même de des livraisons en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas assisté au premier live et ça me met mal à l'aise. Une portière Ah, carrément? la portière aussi. Ah oui, c'est Ah du seul non, ça vent. va. Ça va, ça va. On en rachète rarement et c'est tant mieux. Parce que c'est très cher.
un peu bizarre la manière dont faut le faire, je comprends pas très bien. Les pourcents, l'essence, c'est ce qu'il vous reste. L'un qui a pas tout compris. J'ai pas vu les pourcents. J'ai pas parlé de pourcents. Ah, moi j'ai vu les pourcents. Je voudrais 100%. Ouais, bah ouais, mais. Et qu'est-ce qu'il reste à faire là? Bah, j'ai l'impression que tout est bon. Appuie sur le bouton vert. Ah. Quoi? On a pas de... Mais on a pas de batterie. Mais madame, mais j'ai pas de batterie. Bon, bah vous attendez là. poubelle pleine. Oh là 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 là. C'est une cata. C'est une cata. Mais attends. Pardon, mais Monique, là, en caisse, quand il n'y a pas de client, elle peut pas s'en occuper des poubelles de la station-service? Elle est con. Franchement, elle est con. Et elle pourrait d'ailleurs passer un coup de balai. Elle trouve pas ça bizarre. Dépêche-toi, faut acheter une batterie. Elle trouve pas ça bizarre quand elle voit son patron en train de nettoyer par terre. C'est pas normal. Batterie, batterie, batterie. Mais il y a personne en caisse. Elle est où la grognasse? À tous les coups, elle doit, hein? À tous les coups, elle doit se reposer, c'est ça? Mais qui l'a autorisé? Oui, j'ai pas eu de note, hein. J'ai pas eu de mémo, hein, sur la pause. Ici, si, c'est le Texas, ok? Tu prendras ta pause quand je t'aurai dit que t'auras ta pause. Je vais te la chasser. Aucune à coup erreur de fusil. En caisse égale plus d'argent à chaque panier. Ne l'oublie pas. Je vais. Oui, bah j'ai. T'inquiète pas, j'ai jamais fait d'erreur de ma vie. T'as vu 17$, rien que pour ça. Achète une batterie! C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. La pause syndicale, il y a des lois dans le travail, des conventions. Non. Non, il n'y a pas de pas dans la meilleure station-service du comté. Et du Texas. Vous savez où vous êtes ici, au Texas. C'est bon, hein. T'as commandé la batterie? Non, parce qu'elle est pastille rouge, moi ça m'énerve, hein. Mais achète-la. Pastille rouge, gros. C'est... Mais t'as pas le choix, frère. Non. Elle va se barrer, la cliente. Non, elle va rester. Mais non, elle va se barrer et non. T'auras changé toutes ses roues pour rien. Eh, donc, j'en prends une. On sera. Mais non, ça veut dire que stock. Est-ce qu'il y a des frais de livraison? Pastille rouge, ça veut dire stock vide. Stock vide, pastille rouge. Ah, mais tout à l'heure, vous m'avez dit. Je l'achète. J'en prends deux. T'es obligé d'acheter dans tous les cas. Et il me faut des pneus, il me faut des pneus. Oh, après, regarde là, le prix des pneus. C'est rien, c'est comme le bitcoin. Putain, on est tellement dans la merde. Regarde le prix du panier. Vas-y, c'est bon, je prends rien d'autre. Oui, c'est le stock, mais alors, le prix est quand même vachement élevé. Caisse, bonjour. Désolé, j'ai un employé pour ça, mais apparemment... Fais aucune erreur. Parce que j'ai l'air de faire des erreurs, de toute façon. 15$ pour deux petits produits, c'est l'air que c'est du bon. Bon, casse-toi. Oui, merci beaucoup. Oui, bah, allez, super sympa, connard. Tu dis ça au Super U. Ah, la cliente au garage est vraiment pas contente. Pompe à essence. Allez hop, pompe à essence. Bon boulard, t'as dit. Quoi? Non, j'ai rien. Alors, t'as vrillé. Il a vrillé, le mec. Non, mais tu vas te choper des avis de merde, hein. Le monsieur était très gentil, mais il m'a dit bon boulard. Oh, qu'est-ce qu'on regarde, a de la place. Oh, regarde la honte. Ouais, là maintenant c'est la honte. La honte. On peut dépasser. La honte. Oh, c'est vide. Y'a plus d'alcool. Achète. Avec quel argent? Avec quel argent? Stocks. Mais on en a un peu. Mais n'importe quoi. Pas trop le. C'est tout ce qui est rouge, pas trop. Oh, le sukiri. Non, pas le sukiri. Ah, non, mais. Rouge, vous m'avez dit c'est le stock, c'est pas le stock? Moi je pense que c'est le stock, mais j'ai peur que ce soit peut-être le. Attends. Moi je pense que c'est le stock. Va sur une pastille verte. Est-ce que le prix de vente il est. Oh. Oui, regarde. Ah ouais, c'est ça. Ah. Ouais, non, c'est pas le stock, hein. C'est vraiment le coup. Hein. Ah bah alors, me pétez pas les couilles. Donc très peu de rouge et blinde le vert. Panier. Oh bordel. Alors, boisson. On prend ça. Du tropico. Du tonic. Ouais. De l'alcool. Ouais, du feuchon, l'Amsterdamer, le whisky, vas-y, le chiffon. Oh là, Amsterdamer, c'est bien vert ça. Le fuchon, t'en as combien de paniers là? 334. Ah bah j'ai pas plus. 334. Tant pis pour les journaux, bonjour. Nous voilà avec 10$. Ah, le prix de votre panier est plus gros que la trésorerie de la société, monsieur. Donc vous êtes fort bien sympa. Hop là. Monsieur, vous avez une perruque, je reconnais. Ah, j'ai pas regardé à personne. Oh là là, ouais, il y a eu un.
On vend des perruques à l'arrière si vous voulez. Ce qui ne trompe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Problème? Votre employé était là pour une durée déterminée, elle est partie. Mais ah non, oui, on l'a formée. Donc elle a cru que c'était de l'intérim quoi. Il y a... D'accord. Mais on l'a formée, c'était un CDI. Hey, c'est à nous de dire si elle est virée ou non. Eh, c'est bon. On n'a pas le temps, putain. On a 100 dollars. On a tellement de temps. 16 dollars. Mais ça rapporte autant que quelqu'un qui passe à la caisse. 16 dollars. Sauf que là, c'est 100% bénéfice. Oui. Y a pas à réapprovisionner les crochets. Encore faudrait-il savoir s'en servir. La livraison des produits. Ouais, j'arrive, j'arrive. Tu vois pas que je suis occupé? Putain, mais quand je pense qu'on a une dame qui attend qu'on répare sa voiture. Ah merde. Merde. Ta gueule. C'est la nuit, c'est pour ça qu'elle est pas là. Mais mon cul, il est 3-8 alors. Pas, encore une fois, pas très optique de devoir sauter, mais bref. Oh! Allez-y, allez, des... Le balai, virer le balai, hein. Balai, moi, l'enfoiré. Allez, sors de là. Sors. Laisse la place pour les autres. Attends, 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 c'est pas fini. Allez, en route. Dégage. Hop, poubelle. Non, non, si tu fermes pas, on peut se faire voler. Ouais, c'est bon, j'ai fermé. Pousse-le au cul, pousse-le au cul. Mais non, mais là, tu l'as renfermé. Ah, là. Mais il est encore là, il a pas bougé. Mais non. Putain, mais il met trop, il met 1000 ans. Pousse-le. La ferme. Quoi, il y a un autre livret. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est non, qui? il se barre. C'est un camion qui se barre. Ouais, ça va. Rappelez votre employé, sa jauge de repos est au max. Alors, attends deux secondes, parce que... Non, mais attends, mais si elle est bien reposée et qu'elle vienne retravailler elle-même, en fait, je vais pas appeler tous les employés le matin pour leur dire qu'il faut qu'ils aillent bosser. Oh, mes deux pauvres batteries qui se battent en duel, là. Ah, tu me branches. Tu remarqueras que j'ai su le faire en 2 temps 3 mouvements. Hein. J'ai eu aucun problème. 540 dollars. On voit que t'as la maîtrise de la batterie. Hein. Ah, moi je connais très bien les bagnoles. Hein. Honteux. Ça va. Oh, ça pue. Oh là là, oh, ça pue. Oh, excusez-moi, monsieur, dame. C'est bon. Oh là là. Allez vite, passe en caisse et ne fais pas d'erreur. C'est toi qui fais des erreurs. On a besoin d'argent. Pas belles les perruques en ce moment. Et le réassort là. Quel réassort? Qu'est-ce qu'il veut? Bah de là t'as acheté des produits, t'as acheté des canettes et tout. Bon merde. Peut-être mais réassort toi, quand même. Toi t'es le patron de la société qui m'appelle au téléphone. Je raccroche et je te dis il m'emmerde. Voilà ce que je dis. Ouais mais qui c'est qui fait le boulot? Et ouais. Bah, il nous restera du fuchon. Ah bah y'a ce qu'il faut. Hein. Oh les clopes, on a oublié les clopes. Non, c'est qu'on avait plus d'argent surtout. Ouais, entre autres. Ah ouais, pas beaucoup de chiffres. Il nous faut de la bouffe, des clopes, des journaux. Parti. Et l'employé, rappelle-la. Ouais, on oui, s'en fout de ça, elle a encore propre la baraque. Non, non Damien, tu te mets le doigt dans l'œil si tu penses que la propreté n'est pas importante. J'imagine même pas l'odeur chez toi. J'ai dit que c'était suffisamment propre. Hop, je me téléporte. Bon. Tu t'occupes de celle-ci et après on achète clope, bouffe, non, journaux. Tu m'as dit l'employé d'abord. Et comment on la rappelle? Commencez à parler. Liste de tâches. Gérer la caisse. La caisse. Payer l'employé pour la tâche précédente. Elle nous fait chier parce qu'elle a besoin de vivre. Hein, tout payer, payer la prime. Non, quoi la tout, prime non. Tout payer, non, c'est bon, vous avez été payé. Pas assez d'argent pour payer tout le salaire. Bah si, mais la prime, je vais pas payer une prime. Non, pas payer la prime. Non, c'est bon, elle arrive. Non, elle arrive pas.
Non, qu'elle s'enregistre aussi, regarde, elle est en haut. Livraison, essence. 200. Ça coûte combien, 200? Ça coûte trop cher, mec. 175, putain, 200. Ah bah très bien, ça va Amélie? Tout se passe bien? J'ai pas rêvé, elle est arrivée sur une chaise roulante. Oui, elle est handicapée. Je l'ai recrutée pour le quota. Oui, t'as raison, pour la prime. Ouais. C'est malin. Oh non. C'est une vie de merde. Bon bah, quoi. Vous repartirez avec un pneu crevé, mais au moins vous aurez un miroir propre. Quelle vie de chien. Putain. T'as pas fait le réassort, et ça m'agace. Je vais lui foutre une tarte. Je vais foutre une tarte au patron au bout d'un moment. Ouais, bah ouais, mais est-ce que t'es prêt à rouler 3h20 jusqu'à chez moi pour me foutre la tarte? Putain. Alors que t'as tout ce boulot qui t'attend? Pas vraiment, j'ai pas le temps. Imagine le nombre de clients que je perds. Vous avez failli m'écraser, mais ça je m'en fous, c'est pas grave. Quoi? Vous voulez quoi? Mais parlez. Allez, réassort. Les roues. J'ai 345$. Hein. Ouais, bah oui, tu vas les payer plus cher que prévu, mais t'as pas le choix. On a en que fait, 85$, en fait, on peut pas faire ressort de la boutique. On fait des mini-livraisons, c'est nul. Bah oui, mais il faut plein d'argent d'un coup. T'as des roues. J'avais déjà des roues, je les ai pas. Je les ai pas mis sur l'étagère. Terra, tu devais lire le chat. Mais quoi? Joker, tu m'intéresses. T'es un joker. Bon, c'est pas grave, on aura 7 roues. 6. Ah mais tu les as payées très très cher ces roues. Elles nous font perdre de l'argent. Carrément. Elles nous font perdre de l'argent, ouais. Bon, ça... vas-y, à 20 ans, réassort. Ouvre la valve. Deux. Réassort. Deux. Clope, bouffe, journaux. Voilà. Mais bon, c'est bon, pas 4, on a pas assez pour les 4. Mais il est fou. Bouffe, vas-y, tout ce qui est pas trop cher, bon bah voilà, des belles et des chips souhaits, ça fera l'affaire, et des journaux. Et pas un truc coquin là J'avoue. Oh, dans le home cooking, doit y avoir des sacrés pépés là. Ça va plaire à la ménagère, ça. C'est bon, on a 2$, on a 2$. C'est bon, c'est bien 2$. Hop, on a de l'essence. Vous avez fermé vos gueules. Oh, pardon, monsieur l'agent. C'est livraison. Qu'est-ce qu'il y a comme flip au Texas? C'est un truc de ouf. C'est dingue, hein, il y a que ça. On n'arrête pas. Putain, j'ai aucune notification à gauche, c'est bizarre. Je me demande pourquoi. On a aucun client, c'est quoi ce bordel? On a affecté personne à la pompe pourtant. C'est quoi, reset? Ah, d'accord, non. Oui. Il y a 3 camions, ça me stresse. J'espère que c'est des camions qui se barrent. Faut pas qu'arrive. Et pourquoi t'as fermé le garage? T'avais peur de quoi? Je sais pas. Allez, casse. Vas-y, c'est bon, faut mettre des coups de balai en vrai. Le temps perdu à chaque livraison est énorme. Pourquoi y'a pas de client? Bah, la pompe, c'est bizarre. Ah, voilà, y'a quelqu'un à la pompe. Je lag. Oh là, ouais. Ah, carrément, le jeu s'est fermé quoi. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de clients. Et quid de la sauvegarde? Pas de synchronisation au cloud. Ok, ça va. Est-ce que ce serait gratiné qu'on nous dise que ça n'a pas été sauvegardé? Si j'ai pas mes roues de la livraison, je vais péter un plomb déjà. J'espère que ça n'ira pas plus loin. J'espère qu'il y a des save auto. Oui, toutes les 15 minutes. Bon, déjà on a Amélie. Quand je suis arrivé dans le jeu, c'était exactement ça. Hein. C'était la poubelle derrière moi. Non. 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 C'est pas possible. C'est pas possible. Attendez. T'avais ouvert la valve au début du jeu? Je sais pas. Là, déjà, on a 393$, c'est beaucoup trop. Tout à l'heure, on avait vraiment pas d'argent. Mais déjà, ça va pas du tout. Je sais pas. Je suis en panique. Y a toutes les boissons qu'on a achetées. Toutes les... C'est bon, regarde. Oui, mais... Ouais, mais j'avais gagné 220$ au garage quand même.
Peut-être pour ça. Attends, les journaux. Est-ce que la commande des journaux est passée? Est-ce que quelqu'un sait si la commande des journaux est passée? Il y a un camion qui attend, il y a un camion de livraison, il y a un camion de livraison. Ok, c'est peut-être les journaux, c'est peut-être les journaux. Je crois que c'est bon. Non, c'est pour la voiture, c'est... donc ça doit être les roues. Bon sang, on va devoir acheter les... Ça va, ça va, ça pourrait être... Les journaux, les clopes. Les journaux, les clopes. Et t'avais assez d'argent pour ça? Parce que t'avais payé un truc juste avant qui avait coûté du fric, je sais plus ce que c'était. C'est très mal poli de faire ça quand même. Quand c'est vraiment oust. En plus, il essaie de monter dans son truc, mais il n'y arrive pas. Ok, j'étais en train de remettre les roues, donc c'est ce que je vais faire. Ok, ouais, y a de la roue. J'ai mes batteries. Ok. Voilà, faut acheter. Et du coup, on est sûr que faut racheter journaux, bouffe, cigarettes. Je pense. On va vérifier. Ah, ces deux voitures-là, tu les as remplies tout à l'heure. J'ai bousculé la voiture là. Ouais, t'as de la force. Oh le bon, oh le plein de fou. Presque. Enfin, pas le plein, mais c'est très rare qu'on ait autant. Oh, pas de journaux. Bah ouais, bah connasse. Bah c'est pas ta faute. Qui dit connasse. Donc on avait dit casse-croûte. Ouais. Non. Si, c'est, on avait si, pris si, des si. Casse-croûte. Bouffe, cigarette. Les dates, t'en avais pris trop. Ouais, et journaux. Ah, tu nous mets home cooking, et puis des coups de coups, les jeux. $75. Mais justement, réfléchis. Il est complètement. Ça va rapporter combien? Et je dis fou, mais j'allais dire autre chose, hein, parce qu'il est complètement malade ce mec. Hein. Je vous le dis. Hein. Oh, ça va être sympa d'avoir plus de tabac là, parce que là, il n'y a plus rien. Là, on a le temps de rien, il faut vraiment qu'on augmente pour qu'on ait un nouveau salarié. Hein. Ouais, ouais, c'est ça le problème. Quand on va pouvoir se mettre sur le souci et développer un peu le. Être plus malin sur les dépenses et tout, je peux vous dire que ça va aller très très vite. Hein. Je suis vraiment une boniche dans ce jeu, c'est un truc de fou furieux. Je m'arrête jamais. Mais me dis pas que. Ouais, y a pas à repeindre dehors quand même. On va pas aller jusqu'à. Attends, y a un client à la caisse, mais pourquoi? Elle fout quoi là, Amélie? Ah non, c'est bon, elle est en train de s'en occuper. Et tu le fais bien, hein? Bon. Putain, j'ai peur qu'elle nous fasse une réputation de merde. On en est où sur l'essence? 177 litres. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Putain, mais elle prend du temps pour nous faire des petits paniers qui valent pas beaucoup, hein. Passé de 103 à 115, c'est rien. T'es vraiment à ça près. J'ai compris la valeur de l'argent. T'as trouvé une jante en or. J'ai compris la valeur de l'argent et en plus oui, c'était la meilleure déco de... Bonsoir. Bonjour. Puis en plus vraiment avec la clé en main quoi. Pourquoi j'ai ça, quand j'ai pas de travail, ça m'ennuie. Je trouve que c'est bizarre. Bah va prendre la baraque parce que là t'as agrandi la maison, ah. Mais c'est toujours moche quoi. Mais peut-être des crèmes glacées, vous êtes au désert, ça veut dire qu'il fait chaud. Pas con, ça se tient. Oui, mais quid de ce que j'ai dit à propos de la beauté du bâtiment? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah c'est moche, ça a été agrandi et ça part pas. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Bah je voudrais que tu fasses de repeindre à l'intérieur et à l'extérieur. Il m'emmerde, est-ce que j'ai l'air d'être un décorateur d'intérieur? Est-ce que j'ai l'air non, d'avoir mais t'as l'air d'avoir du temps libre. Oh oui, oh oui, alors ça oui, c'est exactement ce que j'aurais dit aussi. J'en ai vraiment beaucoup trop. Oh là. Eh ben, non, mais on attends, va être... j'ai plus la place là, j'ai plus la place. Oh si. Ok. Quand ça se fait qu'on est plein comme ça, on a autant de stock. Mais je le prendrais très mal à la place des chauffeurs. Hein. Ah, il est coincé. Le type pas que tu nous as coincé le bousin. Client, caisse, livraison, porte de l'entrepôt, c'est fait. D'abord, tu nous fais le réassort. C'est un petit réassort. Hein. Oh là. Les cross puzzles là, c'est sûr. Attends, mais j'ai plus de place. Ils vaut le plus cher. Ça m'a tout mis. Ah bah t'avais pris une petite étagère, souviens-toi. C'est ridicule, il y a 10 000 fois la le bouffe. Même journal. Oh l'enfer. Client à la pompe. Pompe, la pompe.
Bah, tu me feras la flicaille derrière là. Oh bah tout ça pour 25 heures d'essence. Ça sert à rien de venir à la station hein. Alors c'est quoi la couleur? Bah ouais j'ai pas pris la couleur. Ah bah ouais bah là du coup ce sera la surprise hein. Bah ce sera blanc, je te le dis. Voilà. Et bah. Ça fait un joli coin. Quelle couleur? C'est quoi? C'est ça? C'est ça? Ouais, ça va être ça. Ouais, vas-y, tente celui-là. Vas-y, je vais devoir faire des itérations. Genre, ah ouais, non, plus foncé. Ouais. Ah, c'est un peu plus foncé là. Plus clair du coup. Putain. Les couleurs. Heureusement que c'est gratuit. Hein. Il y a quelqu'un au garage. Mm-hmm. Ta race, oh. Mais ça, elle pourrait le faire. Hein. Bon, je suis d'accord, mais bon. Je maintiens que quand il n'y a pas de client, elle peut vider des poubelles. Allez, dis-moi, pitié, 4 roues, une batterie, des rayures, 2 rétro. Pas mal. Pas terrible. 3 roues. Ah, mais vu le prix de la roue, c'est pas sur ça qu'on va se faire du bénéf. Ouais, non, mais t'inquiète. Il y a une inflation sur le prix de la roue. Faut que j'aille jeter mes roues, moi. C'est vrai que quelqu'un a dit le garage c'est une déchetterie MDR et il a raison. C'est pas vous qui bossez, d'accord? Oui, mais bosser dans un endroit dégueulasse, c'est pas ça. Je dis ça, je dis rien. Non, t'as rien dit, mec, y a pas de problème. Hop, dans mon petit sac poubelle. On a de la chance que ça rentre. Hein. Oh ben, elle roule sur les déchets. C'est pas grave. Ça, c'est grave. Ah, ouais, par contre, c'est sûr. Ça, c'est un peu chiant. Ça va bloquer les clients. Ah ouais, t'as deux personnes à la pompe à essence. Qu'est-ce qu'elles veulent? Je suppose que personne va me féliciter pour ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. T'as fait quoi? Un panier en sautant digne des plus grands. Ouais, mais juste avant, t'as loupé deux tirs. Pour la peine, je suis énervé. Putain. Putain, elle est pas facile ta bagnole. Quoi? Fais pas péter l'alarme. Ah ouais, pas la police quand même. Oui! C'est exactement ce que je suis en train de faire, monsieur. T'as tout ça pour 17 dollars, non mais sérieux, on s'en serait passé. Hein. Alors qu'après, c'est lui qui dit qu'on a pas d'argent. Hein. Clope, bouffe. Et si tu peux acheter un autre truc. On aura pas racheté 1000 fois la même bouffe. Fais plaisir aux gens, chope un autre truc, mais popcorn. C'est plus cher. Avec des trucs là. Et tu veux quoi d'autre? Bah non, mais crème glacée, c'est vrai qu'il en faudrait, mais il faudrait que t'achètes dans ce cas-là un truc pourquoi pour mettre les crèmes glacées. Pourquoi on nettoie pas les voitures? Ah, mais non, c'est pas pour nettoyer, c'est pour à proposer dans le shop, et c'est ouais. Malin. Mais faut qu'on ait un d'autre, comptoir. Là tu veux quoi ça. D'autre? J'ai pas suivi. C'est là. Bon, c'est bon. Mets deux fois des chips, soyez. Vas-y. Maintenant, regarde si tu peux pas acheter un autre truc pour le magasin. Un truc pour... T'en fous ça vite, pendant que t'as du temps. Regarde mais si tu veux avoir un gueule, comptoir. On s'en fout pas du tout. Un comptoir, mais si je regarde à chaque fois l'indice de satisfaction des gens au niveau de la maison, c'est encore propre. Un comptoir de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas, y a quoi? Étagère. Étagère ouais. Entretien voiture? Ouais, clairement. Et une grande ou une petite? Ah, je sais pas, tu me dis. Une petite. Et Et où est-ce que je vous la mets? Voilà, à côté des merdes. Ouais, vas-y, fuck la fenêtre. Ouais, ouais, faut être efficace. Et regarde s'il y a pas une autre étagère là. Pour autre chose, genre des crèmes glacées.
Ah ouais, Ah, là c'est par bien ça. contre, Ça c'est bien tu ça. hésites. Un petit? Une petite? Ouais. Oh, moi j'aurais pris vraiment. On est au Texas, j'aurais pris une grande. Hein. J'ai pas fait gaffe, j'ai cliqué. Ouais, c'est vrai que c'est Ah, petit. c'est petit, hein. Ouais, mais attends, est-ce qu'on a beaucoup de place? Pas vraiment. Trop près de la caisse. Ah, tu vois, c'est dommage. Oh, l'ours, il va dégager vite fait. Non, mais là, il y a de la place encore, exagère pas, oh. Oui, bah. Ok, on fait un réassort du coup. Ouais, donc crème Crème glacée. glacée, les fraîchettes à milk, des bold Des berries bold berries, des fraîchettes à et coco, coco. ouais. Et des produits Ouais. d'entretien pour bagnole. Et là, Super shine, glass cleaner, des éponges et nettoyant pour les roues. Et c'est Eh ben, on a un beau 171$ panier et j'ai là. 347$. Hein. Plus qu'à attendre l'argent et on est bon. Putain, je vais devoir refaire tout le panier, bordel. Non, mais tu peux pas le laisser de côté, le panier? Je crois pas. Putain. Ouais, j'arrive. Ah, il y a une Y a livraison. un clavillon, vas-y. J'ai pas regardé à quoi pouvaient être assignés les employés. Parce que je sais qu'ils peuvent faire la pompe à essence, ils peuvent faire certainement le garage, ils peuvent faire la caisse enregistreuse, mais je crois qu'il y a d'autres trucs. En tout cas, j'en connais une qui est partie. Oh, les Oui, bah journaux. voilà. Je sais que vous avez acheté deux fois le même journal, puisque nous n'en avons aucun, donc vous êtes con. Voilà. Un client en garage. Ta gueule. J'aime pas que tu me klaxonnes, toi. C'est vrai que pour 40$ de plus, t'avais la grande machine pour la glace. Écoutez. $285, pas mal. Mais là, allez, faut arrêter de faire ça. Merde! Heureusement qu'il est dégourdi, le chauffeur. Il est bon. Bon, celle qui est partie se coucher là, faut la réassigner? Je pense, hein. Ah, mais on peut pas payer automatiquement. Alors, gérer la caisse. Ah, il y a quelqu'un qui peut nettoyer la station, effectivement. Elle va s'en occuper. Elle va s'en occuper, elle arrive. Bah j'espère qu'elle arrive vite hein, parce que Toi, va au garage. j'espère qu'elle arrive vite hein. Ah, c'est après là. Vous avez niqué son repos. Ah merde, putain. Elle va mal travailler? Quoi au garage? Je Elle est sais pas, partie j'ai cru qu'il y avait un truc au garage, mais c'est fini. Ouais, c'est bon, elle travaille. Pour acheter du carburant. Carburant, ça nous suce l'argent, ça nous suce l'argent. Putain. Oui, bah alors tu feras gaffe, c'est quand même l'activité principale de la station-service, hein. Ouais, non, moi j'ai envie de vendre des journaux là. Putain, j'en peux plus de ce business là. Bah, sois buraliste. Alors. 450$. C'est trop cher. Trop cher. J'ai pas commandé 100. J'ai pas commandé 100, c'est T'as pas le choix. ridicule. Attendons d'avoir un peu d'argent, c'est pas possible. Là, ce qui peut faire du fric, le plus rentable, c'est quand quelqu'un vient se faire réparer sa bagnole. Hein. Ouais. Puis Tain, là, elle me prend tout mon argent, elle me prend tout mon argent. on la paye à rien faire. Chier. Pour que ce soit rentable, faut qu'on ait plus de clients. Pour qu'on ait plus de clients, bah, il faut qu'on augmente. On peut faire garer plus de voitures aussi. Ouais. Faut qu'on fasse ça. Y a plus d'essence dans le truc, je crois. Ouais, il est en full machin. Hein. Y a un peu d'essence. Ok, faut se dépêcher. Crois que ça va faire 2 tours. État du carburant faible, poubelle pleine.
T'accrochais plus les coffres? Bah, on m'a dit que c'était pas rentable apparemment, donc mais bon, hein. Crocheter des coffres, c'est à peine ce que rapporte un client en caisse. Ce n'est... Y a aucun réassort à faire pour du crochetage. C'est gratuit, ça prend un tout petit peu de temps, c'est... Vous voulez qu'on aille voir les avis sur Google de notre station service? C'est scandaleux. Très bon accueil, en revanche, le gérant vole dans ma bagnole. A raison, le gérant est malin. Bon, on a plus le temps, j'en referai plus tard. Bah, de toute façon, on peut augmenter déjà une place. Il en reste un là, mais au moins on va pouvoir. Faut payer ça. Mais il peut pas la tourner lui-même, la vanne. En fait, il y a une chose qui m'énerve. Il est con, hein. J'ai le garage. Bon, m'emmerder, hein. Bon, dépêchez-vous. Pitié! Prier pour qu'un bus passe, j'avoue, on sait toujours pas ce que ça fait que... Ouais, il nous faut un bus. En fait, quand on a raté le bus, ça se trouve, ça nous a retiré 2000 dollars. C'est possible, hein. À poubelle pleine, je suis désolé, les gars, mais... C'est la vie. Pas les 4 roues. Ah oh, oui, d'accord. Parce que pourquoi t'as pas parce que j'en ai 3. Ah oui. Oui, qui me klaxonne? C'est pas une livraison qu'on aurait là. Il y a une livraison là. Ah non, c'est l'essence qui s'en va. Ok. Bah c'est long. C'est très long. Oh la jauge à huile. La jauge à huile. Pour moi, c'est bon. J'ai fini. Hein. Ah oui. Donc là, j'ai eu des thunes. Et qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était le carburant. Le carburant, on en a acheté. Place de parking aussi, déjà. On doit pas être cette poubelle ici. Ah si. En tout cas, place de parking, il faut augmenter là. Fonctionnalité parking. Quoi? Ah, je peux pas. On dirait. Qu'est-ce qui pourrait nous aider sinon? Putain. Ah non, j'ai rien de... Ah non, faut qu'on augmente le niveau. Ouais, non, j'ai rien de spécial à faire. Faudra juste qu'un bus arrive. Oh. Ouais, vas-y, petit rassort de tout, là. Le puzzle. Un peu de sport, un peu de puzzle. Ça, on n'a pas commandé, du coup. On n'avait pas commandé? Ah bah, faut qu'on commande ça. Donc, des glaces, et quoi d'autre? Les produits d'entretien. Ouais, le panier est vide. Je prends que deux verres, hein, c'est bon. Ouais. Entretien bagnole. Voiture. Et c'est tout? Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a un petit snack en promo là? Vite fait, pas vraiment. Des cookies. 353, c'est bon, ça part. C'est satisfaisant un peu de savoir l'argent qu'on se fait en faisant ça. Après, je me dis que c'est pas du vrai argent. Ouais, c'est vrai. On est en train de faire tout ça pour rien. Bah ouais. Merde. Pardonne-moi. Il y a un but final au jeu. Bah oui. D'être le meilleur pompiste du Texas. J'imagine. 19 dollars. Oui, 19 dollars. C'est énorme. Donc la plus grosse. 19 dollars. C'est énorme. Encore une minute et je vais venir. La poubelle. Oui, bah attendez. Ta gueule, ouais. Oh, mais les avis sur internet. M'en branle, elle est capable de dire ça. Je vais vomir. Eh ouais, bah vous croyez que ça fait du bien pour moi? Putain. M'ennuie, la clientèle m'ennuie, voilà. J'en peux plus. Les gens sont des cons. Oh, la livraison. Ouais, ça va faire du bien. Par contre, donc du coup, on doit attendre qu'elle se repose, la grognasse. Ouais, repos. Elle est en repos. T'es en repos. Putain, tu vas devoir gérer. Je vais gérer la caisse. On a 94% d'avis positif. Qu'est-ce qu'elle fait? Attention, c'est sur la sellette, hein, parce que quand tu vois un Uber avec 94%, tu te dis ah, attention. Hein. Ouais, non, mais ça va, c'est bien. Il est où la livraison là? Il est coincé.
Partons. Par ton truc. Envie de crever, putain. T'as... Bah oui, j'arrive. Ah, c'est vrai, quelqu'un qui dit qu'il faut acheter des pneus. Et c'est vrai qu'il faut acheter des pneus. On va être dans de beaux draps quand on va avoir un problème. Beau plein. Ça rapporte beaucoup d'argent, ces choses-là, quand même. Plein de merde. Putain, le gars qui court vraiment partout pour faire ce truc. Tout seul. Zéro. Putain, mais en une ligne droite, t'as fait mettre de l'essence, aller à la caisse, ouvrir à la livraison. T'as fait laisser le garage ouvert. Oui, en prévention de quand il arrivait, oui. Mais je viens de l'ouvrir. Je suis pas un amateur. Hein. Ah ouais. Faudra faire un timelapse de moi qui cours dans toute la station. Dépêchez-vous. Des gens travaillent. Let's go. Ah putain, bah enfin. Plus de clients. Oh, c'est bien propre là. Mérité. Allez, plus de clients. Donc là, il y a plein de choses à faire. Hein. On peut prendre un nouveau salarié. Non, c'est le niveau de la station qu'il faut augmenter. Ça, c'est une des c'est un des prérequis pour augmenter la station au niveau de popularité. Regarde. Mais j'ai trop le seum. C'est quoi qu'il faut faire ? Carburant restant 19%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Popularité. Je sais pas. Je ne comprends pas cet écran. Comprenez-le pour moi et prévenez-moi. Remplissez plus d'objectifs pour pouvoir améliorer la station service. Mais c'est lesquels les objectifs ? C'est le truc en bas à droite là ? C'est possible que ce soit en bas à droite. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais c'est trop long. C'est un peu long. Un peu long. Après, ah oui, au début du stream, on était loin de tout ça. Hein. Mais D'accord, mais bon. Genre voiture réapprovisionnée, 27 sur 45. Ah ouais, qui a servi la caisse, 52 sur 100. Faut qu'on reçoive des pourboires. Mais à quel moment on reçoit des pourboires? Bah, sois plus souriant et arrête d'insulter les clients déjà. J'ai reçu un pourboire de 44 centimes, hein, donc. Il faut 1000$. Attends, on va voir si c'est ce que tu dis. Connasse! 1,80 pour voir, merci. Vous êtes moche. Pas sûr que ce soit vraiment la bonne technique. Hein. Il faut avoir 1000$, mais vous êtes sûr parce que je le vois pas marqué dans les objectifs. Oui, ça, avoir c'était 1000$. Ça c'était dans les prérequis. Là, ouais, mais bon. Mais bon, ça au moment. C'est pour acheter l'amélioration, ça, c'est pas maintenant. Oui, oui, c'est au moment voulu. Je suis même pas sûr que ce soit pour l'acheter, non. C'est juste, il veut que ton argent soit à ce niveau-là, non. Ou ça compte. Ça coûte pas 1000$ quand même. Je pense que ça coûte 1000$. Ça t'es ouf, non. J'ai racheté des clopes, non. Bon, bah, on va tout placer. Hop là, tac, tac. Ah. Putain, il y a zéro place. T'as acheté vraiment un petit. Ouais, faut pas que j'oublie que c'est un petit. Hop là, dedans il y a des trucs par contre, hein, je peux vous le dire. Ah, il faudra des clopes. Hein. Putain, donc pour l'instant tout est à la main quoi. Elle a fini de se reposer là, tu peux la recruter. Et si t'as personne au garage, tu me feras un petit coup de peinture là. À quoi je bosse, je suis en train d'optimiser un peu tout. Ouais. C'est la bonne couleur ça. Ouais. Ah, vous avez pris quel journal? Ah, je croyais qu'il avait pris un truc d'entretien de bagnole. Acheter des pneus. Ah ouais, c'est vrai, les pneus. Et bah, s'il y a d'autres trucs en vert pour le garage, en même temps, fais le plein. Hein. Faut en profiter tant que c'est vert en fait. Des pneus. Vas-y, bourre. Ça coûte combien ? $371, on a ouais, déjà plus d'argent. Ouais, mais. Oh, on n'utilise pas souvent ça. Un brancard. Une batterie, on en faut une autre. Ok, bon, achète on maintenant. On en a qu'une. T'as du carburant là, faible. Pneus, quand oh pas merde, cher, en y a plus de carburant et on vient d'acheter cette merde. Oh là là, bah là il faut économiser là pour le carburant, sinon on va être dans la merde. Bah.
va rien faire, ouais. Je suis baisé, c'est tout. Hop, et moi quand je suis baisé et qu'il y a rien d'autre à faire, je fais ça devant la police. Tu vas gagner des clopinettes, hein. Oh putain, presque. En plus il fait mal le boulot. $31. Oh, alors peinture du Dust Bowl. Peinture du Dust Bowl. Attends, mais ça s'accroche, ça. Ça c'est énorme. Oh, il a raison. Oui, t'es un peu occupé, je comprends. Tu peux pas encore t'occuper de la vie. Je peux pas y aller tout de suite. Malheureusement. 17$. C'était les 17$ les plus free de ma vie. Hein. Je comprends pas pourquoi vous aimez pas ça. Hein. C'est magnifique. Parce que ça rapporte c'est pas magnifique. Assez. Mais bien sûr que si. Tous les dollars comptent, on a besoin d'essence. Là, c'est une course contre la montre. On a 11 litres de carburant. Ah bon? Parce que là, c'est la merde. Oui, c'est la merde de ouf. Allez, il faut absolument rien prendre tant qu'on n'a pas pris de carburant. Là. Il faut qu'on invente un système où les camions sont déjà prêts à sortir. On n'a pas besoin d'attendre. Ouais, parce que surtout, là, il prend le temps de dire au revoir, il prend le temps de... C'est bon, allez, casse-toi. Y'a un client au garage. Ouais. Ah, ça c'est pour l'essence, ça. Ça va nous faire de l'argent. C'est quoi cette musique? Y'a un bus. Y'a un bus. Oh putain. Oh putain. Y'a un on bus a fait le, on a fait le réassort en plus. Let's go. Elle va bien bosser la meuf là. Oh, vite, répare cette merde. J'ai pas besoin de le faire à sa place. Les clients, là. J'ai pas besoin de le faire à sa place. Je sais pas, mais y'a le niveau de satisfaction de la maison qui est en train de baisser de plus en plus. Pourquoi? Je sais pas, je pense qu'ils sont en train de dégueulasser tout. Bah, putain, faut que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? C'est pire en pire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de foutre? Y'a que des pouces rouges, y'a que des pouces rouges, y'a que des pouces rouges. Mais j'en sais rien moi, je peux pas quitter la route. 1% de satisfaction. Non mais en même temps, on vient de recommencer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Avance la poubelle dégueu, la poubelle dégueu, la poubelle dégueu. Mais c'est pas ça, regarde la jauge. Les poubelles dégueu. Regarde la jauge, ça va, ça a l'air d'aller. C'est pas la propreté le problème. Si si, c'est la propreté, parce que plus tu nettoies, mieux y'a plus... Plus l'indice remonte. Bah là il est toujours à 1%, hein. Non mais c'est la barre que je regarde. Voilà, tu vois, regarde, ça remonte. Ils ont juste tout dégueulassé, hein. La propreté remonte, mais ils sont pas spécialement heureux là. Non mais c'est bon. En fait le pourcentage c'est parce qu'en fait il baisse jamais en fait. C'est à 100% et il passe au level 6. Par contre c'était vraiment la propreté qui était en train de se barrer en couille. Mais attends, on s'est fait un fric monstre ou pas du tout? Non, j'ai pas du j'ai tout. Pas vu de différence. Absolument pas, mais je sais même pas ce qu'ils ont fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais? De l'essence. Bah, j'en sais rien. L'essence. On peut prendre que ça. J'ai envie d'économiser pour prendre 200 quand même, parce que là, on est à chaque fois niqué. $450. Pas même pas assez. Avec deux voitures, je vois assez. Ouais, ta gueule, ta gueule. J'ai plus d'essence. Ah bah ouais, du coup, y'a plus d'essence. Bah, il faut vraiment racheter, on va pas attendre $450. Hein. Attends, y'a le client au garage. Ah, c'est quand les gens ils voient la poubelle pleine, ils mettent un pouce rouge. Du coup, ils se barrent. Du coup, on a perdu tous les clients. Ouais, bah, c'est pas ma faute. Hein. C'est bon là? Ah non. Le bus n'est pas rentré à cause des poubelles et c'est à vous de les servir. Elle nous a fait louper une grosse journée de boulot. Voilà. Maintenant faut que le carburant il arrive vite.
Ah bah c'est dur d'optimiser sa station là. Ouais, voilà, ça va faire plaisir aux gens. Là. Ah, tiens, un petit réassort de. C'est toi qui fais tomber des. Qu'est-ce qui se passe? Mais non! Et celle-ci, Mais ça va qu'est-ce rester qui... des invendus? C'est quoi ça? J'ai rien fait moi. Ça par exemple. Bon. Clique sur le bord. Sur le bord? De quoi? Je clique sur le bord. Oh non, c'est des conneries, je vois pas ce qui... Du frigo. Mais peut-être que vu qu'il est plein, tu peux pas les remettre dedans. Pour ouvrir. Il y a toujours aucun défi qui est rempli, quoi. Ça qui me Ça prend tue. du temps. Hein. C'est que ça a beau avancer. Là, j'ai du carburant. Oui. Oh, le bordel que c'est. Elle a assez de pourboire. Elle fait monter les pourboires ou pas? 26 sur 40. Ça se trouve, elle fait pas monter les pourboires. Je pense qu'elle fait un travail médiocre, sans Je vouloir. sais pas. C'est fort probable, hein. Ah, du coup, ça, comment tu le ranges? Ah, comme ça. Bah, du coup, tu dois faire pareil pour les glaces. Ouais, je pense que c'était plein. Faut peindre la façade, mais vous dites ça parce que ça vous frustre qu'elle soit pas peinte? Ou ça va vraiment avoir un intérêt? Moi, je veux bien, mais elle est pas peinte. Bah non, tu sais, t'as l'extension qui a pas été peinte, du coup. Je veux bien la peindre, moi. En quoi? En blanc? Ouais, essaye le blanc. Bon, y C'est a pour la mignon, hein. chier, de la merde, hein, c'est propre. Hein. C'est mignon, hein. Il y a la façade, en fait, moi je parlais même pas de celle-ci là-bas, je parlais de celle qui est. Ouh. Vraiment lié à la baraque. C'était ça. Et si c'est pas ça, et ben ça fera Dommage. une dépôt spéciale. Aïe 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 dans la gueule. Y a un client au garage. Faudrait que je repeigne le garage aussi. Ouais, tu comptes avoir le temps quand? Jamais. Il veut juste une batterie, c'est tout? Oh, j'en ai Ah, plus, c'est la seule qu'il aura, j'ai hein. plus de batterie, putain. Les défis, c'est vous qui devez faire les employés. Une blague? C'est pour ça que ça monte pas Client les servi à pouvoirs caisse reçus? 76, ça m'étonnerait que. On va regarder, mais pour moi, c'est en train de monter, hein. Par contre, les pourboires ont vraiment pas monté. Pour boire, c'est possible. T'as deux clients à la pompe à essence, attention. C'était blanc là. Ah ouais merde, c'était blanc sur les côtés. Ouais. Je crois. Pourquoi c'était blanc? On n'avait pas fait vert devant et blanc sur les côtés. Oh les poutres. Ah ouais bah les gars les poutres c'est compliqué. Oh, les poutres, ouais.
Il y a beaucoup de poutres. Pour boire et passer de 26 à 27, c'est juste lent. Ou alors c'est parce qu'elle fait un taf de merde. Très très lent. Moi je pense qu'elle travaille très mal. Bah je peux la mettre ailleurs. Hein. Non, parce que on l'a mis en caisse, normalement son niveau il augmente. Oh bah. Ah non, y'a le petit con! Y'a le petit enculé qui va peindre sur nos murs! Qu'est-ce que je pourrais lui envoyer dans la gueule? Un pain? Ça bug, ça bug! Il est où? Fais pas, il a rigolé. Oh. Voilà, petit enculé de merde. Y'a pas de nous niquer la maison alors qu'on vient de la repeindre. C'est bon. Eh, pas mal. Putain, qu'on vienne pas voir qu'on ait une bite à l'arrière du bâtiment. Hein. Pourquoi ça pue ici comme ça? C'est la poubelle là? Ouais, c'est un peu crade. Hein. Pourquoi ça c'est comme ça là? Dégueulasse. C'est abusé. Ah, fais-le en rouge, fais-le en rouge. C'est un garage. Ok, attends. Ça? Ouais, voilà, ouais. C'est ce rouge-là qu'on attendait en plus. Oh, ça va pas être un garage d'enfoiré. Oh, ça flatte, hein. C'est beau, hein. Ah, pardon, un client. Oui, bah, vous voyez bien qu'on repeint? Ah, je vous en prie, hein. Je vous ai vu, hein. Oh, c'est beau. Là, ça a de la gueule, hein. Alors, je vous préviens, j'ai plus rien, donc allons-y. J'espère qu'elle a un pneu à changer et c'est tout. Vous attendrez en plus. C'est vrai que portant blanc, c'était peut-être mieux. Attends, il y a peut-être le réassort des roues, non? On en avait acheté plein. Mais il n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu un panier qu'on n'avait pas d'argent? Vous avez 1000 balles. Justement, on avait acheté. Bizarre qu'on ait parti les roues. Qu'est-ce qui s'est passé? On a profité du Black Friday des roues là pour en acheter. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a acheté des roues? On n'a pas acheté des roues? Pour moi, on avait acheté des roues. Mais visiblement, on n'en a pas acheté, hein. Fais voir le stock, hein, ça se trouve, t'as pas fait le réassort. Hein. Ah, très bien qu'elle se repose, comme ça je vais avoir des pourboires. Attends, tu sous-entends que toi tu vas avoir le droit d'avoir des pourboires? Bah là, j'ai eu un pourboire direct. Du coup, vérifie les stocks. Ah oui, en fait, j'ai pas cliqué, c'est tout. Si, je les ai, j'ai juste pas cliqué. C'est ce que je t'ai dit. Ouais, ça va. Non, mais tu sais, je pense à pas mal de choses à la fois. Et des fois, voilà. Fais un effort et pose les roues, fais un effort et ferme ta gueule. Je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire. Ah, la grosse poubelle qui pue. Oui, bah j'ai pas mille copies de moi en fait. Genre, je suppose que vous le voyez. On te demande pas la lune. Ouais, c'est ça, bah c'est pas compliqué, t'as une poubelle, tu l'as fait. Oui, oui. Bon mec, t'es streamer. Ouais, ouais, y'en a qui se lèvent pour aller bosser le matin. T'as que ça à faire, clique sur la poubelle. Putain de merde. C'est dommage que le jeu soit pas en coop. Mais putain, si le jeu était en coop, je pense qu'on passerait vraiment énormément de temps sur le jeu. Hein. Ah bah ouais, et puis on gagnerait beaucoup plus d'argent aussi. Ce genre de jeu, ils le font pas en coop, je sais pas pourquoi, alors que vraiment, pour moi, ça tombe sous le sens. Que c'est fait pour la coop. Que ce soit genre de 2 à 4, genre. Ah, j'avoue, c'est Farming Simulator l'a compris. Faut que j'aille améliorer la station, apparemment. Bah, tu peux pas. T'as pas rempli les défis. Non, le côté pompe, genre. Ah non, ou alors il parlait pas de ça. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit ça, mais. Ouais, il doit confondre parce qu'il y en a qui sont focus sur les 1000$ depuis tout à l'heure en mode si t'as 1000$ c'est bon.
Ah oui, non, ça n'a rien à voir, mais c'est une petite partie. C'est pour la fin, il faut d'abord remplir les défis. J'ai oublié qu'à se reposer, merde. En fait, c'est que si tu fais pas d'erreur, il y a un pourboire, je pense. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Regarde, j'ai tout le temps un pourboire. Hein. Mais donc, ça veut dire qu'elle fait tout le temps des erreurs, en fait. Je pense qu'elle fait tout le temps des erreurs. Hein. Certainement. Mais c'est du foutage de gueule. On devrait être récompensé d'avoir des employés. Et à la place, on a un service de merde. Mais on devrait lui mettre un malus au niveau de sa paye. Et en plus, elle demande des primes. Oh. Regarde les pourboires, regarde le nombre de pourboires que je fais. Bah, il va être rempli ce défi-là. Je rigole pas, j'ai mal au bras. Quelle vie difficile de streamer. Qu'est-ce que je veux faire? Il va falloir un réassort de la boutique. Hein. Ouais. Un peu. Bah, des clopes. Peindre le garage, c'est bientôt fini. Des clopes, il faut 1500$, en vrai, il y a de quoi faire un réassort. Clopes et boissons, va falloir. Faut qu'elle atteigne le niveau max pour ne plus faire d'erreur. Mais elle ne gagne pas de pourboire quand même. Elle nous emmerde, quoi. Non, parce que je sais, il y en a qui veulent mettre au garage parce qu'il n'y a pas d'erreur à faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de clients au garage pour que ce soit rentable de foutre quelqu'un au garage. On peut le faire nous-mêmes, ça. Là où on a besoin de quelqu'un, c'est là où il y a le plus de clients à chaque fois. J'ai mis ce clic et je peux pas sortir. C'est pas possible. Enfin, c'est la pompe. Et la pompe et la caisse. Tout le reste, c'est gérable. Putain. Ça fera une porte bicolore. C'est chiant. Faire le ménage, non mais ça va. En fait, pour moi, tant que l'indice n'est pas arrivé au milieu, c'est encore ok. Ouais, faut faire gaffe en cas de bus, tu vois. Faut être actif. Et là, tout à l'heure, j'avais à peine le temps, en vrai. De toute façon, il faut un réassort. En fait, dès qu'on entend le disco bus, faut vraiment foncer, quoi. Je suis un combo scan de 64 quand même. Tu vois, au lieu de crocheter des voitures. On n'est pas riche, hein. Oh, 1600$ quand même. C'est parce que là, on va se prendre tous les réassorts en même temps, en fait. C'est ce qui nous est arrivé l'autre fois. Mais là, ça vaut le coup de faire un bon gros réassort de tout, quoi. Oh, on pourra pas. C'est vraiment cher. Hein. Chaque fois, on a des paniers de 400$ quand on se fait plaisir. On prend tout ce qu'il y a en vert et qu'on n'est pas trop gourmand. J'ai plus de miroir. Bah, t'en as juste de quoi faire cette réparation là. Et c'est fini. Fermer la station avant de faire les stocks. Qu'est-ce qui reste à faire là? Non, pas besoin. Tout est fait. Ah, la batterie. Merde. Ça se voit pas. Ah ouais. Elle est où? Elle est là. C'est une blague? Elle est passée où la bonne batterie? Bah, c'est celle-ci. Tu peux l'acheter celle-ci ou pas? Si tu peux l'acheter, c'est que c'est la mauvaise batterie. Bah ouais. Non, je veux dire jeter poubelle. Pas jeter distance. Ah ouais, non, c'est une batterie qui était morte. Elle est où l'autre batterie que j'ai vue sur l'étagère? Bah c'était celle-ci, je pense qu'elle était morte. T'as pas reposé une batterie morte Hein, celle-ci? Ah ouais. Elle est partie là-bas.
Oh, il y a du taf. Eh, 2 000 $, c'est la première fois que ça arrive, ça. C'est fantastique, hein. Et comme par hasard, c'est quand l'employé se repose. Ça veut tout dire. Vaut mieux tout faire soi-même. C'est pour ça qu'on licencie des gens en France. Travaille mal, mais mal! Oh, Elon Musk! Vous êtes celui qui livre Mais l'essence! c'est vraiment. Mais je te jure que tiens, ils ont vraiment modélisé Elon Musk. Je veux pas croire que ce soit juste un Moi skin aussi. aléatoire. Pas possible. Ils l'ont vraiment fait. Regarde-le bien, sa tronche là. C'est lui, c'est pas C'est possible, c'est lui, mais lui. c'est lui, mais c'est lui, je vous dis, c'est lui. L'employé est reposé, mais j'hésite. Franchement, Non, 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 j'hésite. fais-le. On a des pourboires, c'est bon, tu peux lui dire let's go. Oh bah là, on va se faire Oh, c'est plaisir sur le cher, hein. carburant, hein. Oh là! 750 dollars, peut-être pas quand même. Si, 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 de toute façon, on en aura besoin tout le temps. Fais un prix de gros. Bah, je peux pas faire plus là, c'est le max. C'est le max? Ouais. Vas-y, commande. Autant qu'on soit tranquille, quoi. Et l'employé à la pompe, on en a parlé? T'en as parlé de ça tout à l'heure? L'employé à la pompe, quoi. Mettre un employé à la pompe. Bah oui, mais on peut pas là. On n'a pas de deuxième employé. Ouais, mais dégager la grognasse de la caisse. Ouais, mais elle a les enveloppes en caisse. Bah ouais, elle va caisse et du coup elle va faire des erreurs en pompe. Ouais. En vrai, c'est la caisse qui est chiante à faire. Comparé à la pompe où t'as une jauge. Oh, la Quand caisse, t'auras un c'est deuxième facile. employé, il faudra mettre en pompe. Non, c'est bon. Oh, merci Gartouf pour les 25 subs. Eh, faut qu'on fasse Merci rentrer de l'argent beaucoup. aussi chez nous. Attends, Faut que ça tourne. réassort. Ouais, c'est vrai ça. Faut que ça Parce que bon, tourne. ça tourne bien dans la station, mais la boutique tranquille là alors. Alors, Faut qu'elle quoi? tourne. Qu'est-ce que tu veux? Bah attends, justement, check les réassorts d'abord. Ah oui, non, t'as tout ce qui est dans le garage. Pense au garage déjà. Donc des Miroir de pneus, voiture. si ça coûte pas cher. Wow. Et mec, 20. Ah, ça coûte cher! C'est cher, hein? C'est des packs ou c'est juste l'unité? Là, pendant qu'on a de l'argent, faut y aller, parce que c'est en verre, Bah, c'est pas cher. Crois-moi, faut y aller. Vraiment, mon gars, là, t'en as mis que 4, mais c'est rien, 4 pneus. Vraiment, c'est. Faut vraiment bourrer, hein. Bourre la mule, vraiment, on a de ouais, l'argent. mais t'es un ouf! On a de l'argent. Regarde le prix du On va en avoir panier! besoin. On va en avoir besoin. De l'huile pour moteur, tout à l'heure, t'as dit. Il y en a plus qu'une, hein. Bourre. Ah, ça c'est bon, je peux Bourre. bourrer. Ça, je peux bourrer. Et les pneus, je vais en voir deux autres. Je veux voir deux autres pneus. T'es un malade et je commande 1000 dollars, 1042 dollars. Et t'es sûr qu'il y a des batteries et tout, c'est bon? J'ai pris de la batterie là. Et une fois qu'on est bien, on check l'intérieur de la boutique pour le réassort. Miroir. J'ai plus Pas d'essence. miroir, mais il les a pris les miroirs. Oui, j'ai pris les miroirs. Putain, j'ai un client mécontent parce que j'ai pas vu que j'avais pas d'essence. Enfin, j'ai pas vu qu'il était là. Voilà, c'est bon là. Client à garage. Oh, le garage semble à rien pour l'instant, il m'a fait. Ça va qu'on en a encore parce que t'en as pas racheté. Hein. C'est extrême. Ça, c'est le truc le plus cher du garage. Ça, là. Qu'est-ce que c'est long? C'est long, putain. Ah, puis t'as pas de batterie? Pour l'instant, non. Ok, il y a une livraison qui t'attend là. Client à la caisse 3. Ah, mais ouais, mais elle est pas retournée bosser, elle se Ok, faut repose. que je l'appelle là. Mais je crois que je peux pas l'appeler Enfin, on peut pas le faire à sans aller à distance. l'ordi là. Putain, alors qu'un téléphone, quoi, merde. Putain, j'ai trop peur qu'on se fasse voler les stocks. Mais d'un autre côté, j'ai envie de laisser le garage ouvert. C'est sûr qu'on peut se faire voler les stocks si on le laisse Oui, je pense. ouvert. Et s'ils l'ont dit, c'est qu'à mon avis. Poubelle.
Ouais, faut pas attendre qu'elle soit dégueu en fait. Ouais. Elles sont buggées, elles m'énervent. Là, elle a disparu, je sais pas où elle est. Faut que j'appelle la meuf. Attends, contacte-la, j'ai mis ce clic, là. J'ai mis ce clic, j'ai mis ce clic. Ok. Je croyais que tu t'étais chaud et que tu voulais faire vraiment 5 clients. Non, non, non. Ça va aller. Oh, je vais mis ce clic sur envoyer à un moment, ça va être marrant aussi. Ouais, ça elle va s'en Alors, occuper. garage, caisse, pompe à essence. Pompe à essence d'abord, ensuite garage. Hop là, elle est propre. Hey, c'est bientôt fini, on va pouvoir augmenter. Surtout que 9 sur 10 voitures, ça va être fait. La batterie. Ouais, faut que tu fasses le réassort de tout là. On va Ah ouais, racheter il y de en a la pas batterie. beaucoup. Hein. Mais elle était rouge alors, si on peut attendre un peu. Ah oui, bon non. Faut acheter maintenant. Quand c'est vert, faut en profiter en fait, faut en acheter en plus. Ouh. Ça, je peux pas racheter, mais ça j'ai racheté. Putain, y en a pas beaucoup, hein. Allez, zou. Vas-y, tu peux repeindre le garage et terminer. Allez Amélie, là, t'en fais 4 et on n'en parle plus. Ouais, et on va arriver en plus à 1000$. Parfait. Ah, le garage, ça paie bien, oui. Après, les produits sont chers, hein. Faut Ouais, pas les produits l'oublier, sont hein. chers aussi, il faut y penser. Il faut penser qu'en fait, on a vachement dépensé là. Sur les roues, c'est parti 1000$. Hein. Les roues et les miroirs. Un jour j'aurai le temps de faire les poteaux. Probablement un jour où je serai en vacances ou un truc comme ça. Un jour où tu mettras pas une deuxième couche de peinture rouge. Ouais, je viens de. Au moins, c'est sûr que ça tiendra. Et le toit, il sera en quelle couleur? Bah moi, je le mettrais noir, hein. Ouais, c'est pas mal comme garage, hein. Oh bah il est excellent. Bon non, n'allons pas jusque là mais. Bah si, si, Il est bon, il pourrait sympathique. être mieux. Mais... Putain, c'est long de repeindre cette merde, hein. Puis elle est longue à faire sa dernière caisse là. Y'a pas de Je client. fixe. Je fixe le 99 depuis tout à l'heure. Non mais là, y'a vraiment aucun client qui est rentré. Attends, on a qu'une seule batterie en rame. D'huile de moteur, il n'y en a pas. En fait, je serais trop bien d'avoir plein de produits en stock. Tellement que quand tu fais Ouais, un ça. plan des Putain, il étagères, voulait t'as pas juste la ça. place de tout mettre. On va pas l'avoir, dernier client. C'est fou, hein. Ah, client à caisse 1. Très bien. Oh bah. C'est tout au milieu, tout à droite. Oh là, oh, d'accord. Oh ouais, non, mais il y a vraiment trop de taf là. Hein. Il y a beaucoup de toits quand même, hein. Putain, la merde. Oh. Allez. Alors, du coup, putain, il va y avoir des trucs à faire là hein, qui vont nous faciliter la vie. Prendre des employés à la un employé à la pompe. Ah, ça va la Voilà, et grandir merci, ça s'est peut-être. augmenté, Oh putain. putain! Ah non, je crois qu'il y avait une pompe en plus. Mais non, mais je Répondez au pense qu'on va avoir téléphone. le parking. Le parking, on va pouvoir l'augmenter. Ouais. Ah, pas une menace, hein. Attention, hein. Attention, mon oncle.
Erge. Je nettoie l'état de sable quand la tempête est terminée, il pourrait causer des problèmes. Oh non. Mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Mais non, non mais là. Non, mais non, on était déjà. Non, mais on avait déjà plein de problèmes. J'ai tout donné. Oh. Ça, l'espace en plus. Ça, c'est magnifique. Et si tu laisses traîner les sacs poubelles, ça fait quoi? Ça fait rien. Je sais pas. Ah, parce que je me dis. Peut-être pas pour en compte. Je sais pas, mais là, le. Voilà. Quand même mieux. Bon, écoute. Bon, s'ils sont. J'espère que ça fait rien parce qu'ils vont dans le sol, hein, ça c'est sûr. Ok. Vas-y, bah recrute un deuxième employé déjà. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Fais pas gaffe à la tempête. Il va falloir retirer les tas de sable avec le truc qui prend vachement d'essence là, ça va être galère. Putain, les salauds. Ça a vraiment coûté 1000 quoi, vraiment des chiens. Bah y'a un mec au garage. Rudy a besoin de carburant et le carburant c'est de l'argent. Bah ouais, ouais ouais bah ouais, évidemment. Mais pourquoi ils nous ont foutu une tempête de sable? On est connards, hein. On est déjà dans alors la merde. Alors que déjà on galère. Il veut vraiment pas remettre les articles en rayon, c'est grave. Toi, tu sais quoi? Fais-le, vas-y, fais-le, nous prends pas la tête. tu vois pas le nombre de clics que je fais par minute? Qui est ta tête? Quand je les remettrai en rayon quand j'en aurai besoin. Ok. 312 dollars. C'est assez? Quoi? Non, c'était 340. Ah non, c'est bon là. Ok, là on peut avoir un deuxième employé. Superbe. Et on va attribuer la tâche à la pompe. Alors un mec à la pompe qui est ravitaillement niveau 3. C'est pas mal. Elle aussi, sauf que elle est plus chère. Plus chère. Donc on va prendre lui. Pompe. Ok. Et est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on pourra augmenter la place à la pompe pour qu'on ait plus de clients? Là, on a que deux voitures au final. Oh, le téléphone, il m'emmerde. Alors, attends. C'est dans décoration extérieure. Avant de la station service. Set de décoration du sud. Arrière. Ah ouais, non, c'est des décos, ça. Après, vous disiez que les... Ce serait intéressant, par contre. Les décos pouvaient aider. Peut-être. Regarde-le qui fait son boulot. C'est bien, mon grand... Voilà, allez, un petit set de déco. Bon, ouais, alors. C'est pas mal ça. Ça je pense pas qu'on. Ça nous intéresse. Mais... Oh. Attends, je suis coincé. Je suis coincé. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Ah. La souris se balade pourtant. Attends, il avait réinitialisé la position. Ouais. Non. Non, je peux faire prendre une un peu avant. J'ai comme l'impression qu'il y a un bug. Il y a un léger malaise là. À la charge et. Charge l'avant-dernière. Non, ça se trouve. Ça se trouve, elle est bonne, c'est juste. N'oubliez pas l'état de sable post-tempête. Putain. Ouais, voilà, elle est bonne. Oui, du coup, il fallait regarder si on pouvait augmenter les places aux pompes. Ouais, alors c'est où? Je sais plus du tout où c'est. Ouais, ça doit être là-dedans. Toilette. Ah, et là, on peut pas? 450 dollars. C'est tout? Ouais. On va le faire. Bon.
Bah on a assez. Non. T'as dit 150 dollars? 450. Ah. Ah. C'est pour ça que je te dis c'est tout. Je me disais bah c'est donné. Je me disais c'est quand même pas donné. Vous pouvez désactiver les vols de marchandises pour laisser ouvert la porte dans les paramètres. Mon petit doigt m'a dit que quelqu'un passait par la route 66 avec une cargaison assez précieuse. Tu sais comment faire un crochage? Non, ouvre juste quelques Oh! coffres. Alors c'est la voiture qu'on a en photo? C'est une voiture comme ça? Une voiture un Vous peu croyez que sport c'est verte? vraiment ça? C'est celle-ci. C'est celle-ci, de ouf. vous croyez qu'il faut identifier cette voiture-là? Précisément? Pense. Ce serait con de nous le montrer en photo. Ils auraient juste dû dire Bah, essayez d'être attentif alors. Ah ouais, il faudra augmenter aussi les places de parking pour qu'on ait plus de clients qui viennent. Va falloir enlever Ah les tas de non, ça, il faut les en tas de faire ça de toute 10. façon. Ok, c'est juste qu'il faut en faire 10. Oh Et bah t'as 10 volontiers. minutes pour le faire en fait. Ah bon? Ouais. Bah volontiers. Bon bah maintenant t'as le coup de main, hein. Y a aucun problème, hein. Ça à l'avant. Bah oui, c'est vrai. Attention, si tu fais péter l'alarme, c'est la police. Y a plus de voiture. Ouais, parce qu'il est tard. Ah, tu vas devoir t'occuper de ce monsieur. Allez-y, Pendant que ton salarié est à la pompe. positionne. Vas-y, Juan, occupe-toi du monsieur. Merci. Monsieur, je vous en prie. Suivant. Allez-y. Je vais vérifier votre moteur. Alors, la jauge à huile. Alors. Ouais, tout a l'air d'être en ordre, hein. Bah c'est ok, vous pouvez y aller. Client à caisse, client à pompe à essence, putain, j'ai rien à faire. Ça, c'est Bah s'il faut que étonnant. t'achètes du coup là l'augmentation de la pompe à essence. Et la place de parking, faudra le faire aussi. 509 dollars. 509 dollars, on va pas les avoir tout de suite. Bouton est bugué. Eh ben, il a du boulot, le Rouen. Ah, j'y ai pensé direct aussi, mais je voulais pas te le dire pour pas te mettre de pression. Alors, je t'avoue que ça va faire quand même du bien. C'est pas beau. Y a la voiture à braquer. Ouais, my bad. Braqué, c'est un grand mot. Ouais. Par contre, j'avais oublié. Ah, c'est celle-ci qui était en photo en tout cas. Voiture verte un peu sport. Elle était pas plus foncée? Waouh. Ah, Dracaena tiens. Reflexa. Je sais pas ce que c'est, mais tu vois, on dirait bien que c'est de la marchandise précieuse là-dedans. 5 sur 10, t'as 6 minutes, ça devrait le faire. Faut juste pas que j'oublie de le faire, mais là j'ai du temps. Au niveau du réassort dans le bousin, on sera bien ou pas? On va checker. Réassort de la bouffe et tout? Ouais, tout ce qu'il y a à l'intérieur, journaux, clopes, etc. Voir ce que t'as chouré dans la voiture, hein, parce que moi ça m'intrigue cette histoire-là. Je peux le faire Non au mais tu vas quand garage, même pas vivre. je peux pas. C'est trop Pensez long, à je un vais. truc, moi, la dernière fois, si je déménage, j'aurais trop peur que ce... Je sais pas pourquoi, mais j'aurais trop peur de confier tout à des déménageurs, j'aurais peur de me faire voler des trucs. Ah bah c'est la classique, hein. Ça fait stresser, hein. T'y as pas pensé quand les Si, déménageurs ils ont pris tout? bien sûr, mais. Faut vraiment bien se renseigner et. Faut bien se renseigner sur ce qui tu engages. Parce que je sais pas, t'es là, Ah, plus de batterie, vas-y, t'as putain. des. Est-ce qu'on peut T'as acheter de la plein de batterie? trucs, t'sais, t'as des PS5, t'as des consoles, t'as des Est-ce qu'on peut acheter objets. des batteries? Pièces de voiture, batterie.
Oh, elles sont vraiment pas chères. En promo. Regarde. En promo. Achète tout ce que tu peux. Elles sont vraiment pas chères du tout. Alors par contre, j'ai et pas d'argent. Merde. Mais vas-y. Alors là, c'est bon, vraiment. J'aurais pas dû cher. Avoir $500, mais bon, tant pis. Putain, ça se repose là. T'as 5 minutes pour projeter, c'est vrai. T'as... Alors je fais ce client et j'y vais. Parce que qui dit client en caisse dit voiture au parking. Et oui, et il faudrait pas qu'il arrive avant moi. On fait la course. Oh, c'est un mètre. Merde, c'est une mètre. Lampe d'intérieur argentée. Ça peut être sympa, ça. Ouais. Garez-vous. Là. La gueule. Bah, 2 secondes. Vous voyez bien que je suis occupé. Voilà. Il pouvait même pas se garer. Il en reste encore 2, t'as 3 minutes pour les projeter. Ok. Est-ce qu'il y a des gens là ? Personne. On va être chaud au niveau temps là. Carjack les voitures là. Vraiment qu'il se barre vite là. Je peux le pousser pendant qu'il fait ça. Hein. Attends, c'est que la porte de garage elle est trop basse. Ouais, c'est ça. Faut que je carjack avant de finir le garage. Oh, il y a de la bagnole. Un mètre. Bam. Putain. Il est dur. Ok. J'ai terminé là. C'était quoi la récompense? Je sais pas. Ça a été marqué en haut, mais j'ai pas trop vu ce qu'il y avait en haut. Va donc t'occuper du client en garage, ouais, voire même attends. De la caisse, parce que là... Attends. Elle a bientôt fini de se reposer. C'était 100$. Il a pas assez de clients. Oh, putain. Hein. En fait, faut que ce soit plus attrayant pour qu'il y ait des gens. Vous avez gagné 10 points de répute. Ah, c'est pas mal. Ouais. Pas de coca. Oh, les boissons. Ah, faut alors, check un peu le réassort de tout. Ah ouais, mais 415$, on va pas faire un gros réassort. Hein. Non. Putain, on a plus d'argent. Une fois que t'auras fait le garage, à mon avis, on va avoir un peu de fric pour le réassort. Mais si c'était vraiment le rythme à laquelle il faudrait travailler dans une station-service, les gens tiendraient pas 2 jours. Hein. Ah oui, non, mais c'est... Tu serais jamais assez bien payé. C'est horrible. Faire tout ça, c'est pas possible. C'est horrible. Hop. C'est nouveau que je dois appuyer sur ce bouton. J'avais pas le faire avant. Qu'est-ce que c'est moche ça? Qu'est-ce qu'on a pas? Il nous faut. Putain, clope. Il nous faut des alcool. Clope, ouais, on a alcool. Pas. Journaux. Un newspaper, tu dois en avoir, non? T'as fait rien? Si, j'en ai. Ah, si. Ah, c'est bon, j'en ai. Non. Par contre, faut cliquer sur le coin quand t'as la glace en main. Pour la mettre dedans. Bon, il nous faut boisson, clope, alcool, glace, produit d'entretien.
Disons, c'est minutieux comme choix. Bah en fait, Ouais, c'est on n'a pas bon, c'est beaucoup bon, c'est d'argent bon. quoi. Ah, vas-y, tu peux y Mais aller. c'est un Attends, attends, petit. attends. T'as vu des trucs là? Bah j'ai oublié quoi. Glace? Ah merde. Ouais mais bon. C'est pas grave. De toute façon là c'est un mini réassort, on n'a pas pris grand chose en bouffe, il va falloir reprendre. On n'a pas pris grand chose en boisson. Il va falloir reprendre des trucs. Ah État y'a. carburant faible déjà? Mais on a fait un plein Non. gigantesque. Mais non. Par contre on a acheté 750 $ d'essence il y a 5 minutes là. Il y a 10 minutes. Il y a Mais une il est faille. venu le mec d'ailleurs? Oui, il est venu. Ok, je m'en souviens. Ouais. Bah c'est chiant, c'est chaud. Parce que là, on a 300 $ quoi. Ça va être... Tu peux la ramener hein, en caisse et la reposer. Ouais mais faut la payer du coup. Oui, mais ça va. Ça va. Ça se trouve, si on ne paye jamais la prime, elle est pas contente. Ah oui, certainement. Quoi, tu vas pisser? Je crois que Juan va se reposer. Ah bah pour se reposer, par contre, il court, hein. Mais pour bosser, il n'y a plus personne. 46 litres. Aïe 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 aïe. C'est pas possible. C'est vrai que la citerne est en super mauvais état, peut-être qu'elle fuit. Quoi? Il peut vraiment y avoir ça? Bon, les gars. Genre, l'état de la citerne, ça compte? Non, je pense Une pas. blague? Je pense pas, je pense pas, je pense pas. Vrai qu'on, On c'est n'aura dommage, jamais assez on n'a pas d'argent. le temps de faire de la belle déco dehors et tout, des trucs. En fait, le On n'a pas jeu l'argent. ne laisse pas le temps de souffler. Bah parce que même si J'aimerais on bien ferme, que. on n'a pas assez d'argent. Non, mais tu sais, que j'aimerais bien que des fois, genre, tu sais, tu souffles un peu. Et pas qu'on ait parce que devoir fermer la station-service, vraiment, c'est un aveu de faiblesse. J'aime pas ça. Je préférais que le jeu te laisse respirer ou de temps en temps, tu vois, t'as vraiment quasiment plus de clients. Non, puis même si on ferme la station, on n'a plus rien. Enfin, on n'a pas, on gagnera pas d'argent et déjà qu'on n'a pas assez d'argent pour faire ça, compliqué quoi. Ouais, putain, maintenant qu'il travaille pas, ce serait bien que ce soit automatisé aussi, le fait qu'ils aillent bosser quand ils ont fini de se reposer, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre qu'il fasse pas ça. Il y a de la roue. Et l'état de sable. On n'a pas regardé si ça avait bouché des places de parking ou quoi. On doit racheter J'ai une place même de pas vu de parking tas de aussi. sable. Mais l'argent, l'argent, l'argent. On doit acheter du carburant d'abord. Je pense c'est le principal. Avant tout de l'essence. Ah, il y a une roue. Putain, la bonne affaire avec les roues là. Miam, 20 $ la roue. Non, Elles c'était la étaient pas batterie. chères, c'est dommage qu'on n'ait pas fait le plein complet. Le plein complet. Combien t'as payé là? J'ai pas vu. Là, on a 744, on peut remettre quand même de l'essence dans la cuve. Il faut le faire dès maintenant là, parce que Putain, mais là sinon. on la paye à rien faire parce qu'il n'y a pas de clients! Je vais mettre 700 $ hein. Hop. J'avoue, elle paye à rien foutre. Alors dehors, ça ressemble à quoi Ah! là? Le mec ne peut pas venir si tu n'enlèves pas les tas de sable. Ah! Le mec. Qui? Du réapprovisionnement? Non, je pense pas. Mais je vois pas de tas de sable en fait, j'en vois qu'un, mais c'est celui qui était là de base quoi. Genre le Ça, tas de ce sable tas qui de est à la place sable de parking. il a toujours été là, ce tas de sable. Du coup, je vois pas de quel tas de sable on parle là. Moi non plus.
clair. Ah, j'en étais sûr. Je pensais qu'il y aura assez pour le faire, mais il n'y a pas eu assez. Dommage. Peu de carburant, bah oui, on sait. Mais il est venu là, le gars, pour l'essence, peut-être. T'es arrivé? Ah oui, il est là. Oui, il est là. Passe le balai sur la pompe. Bon, ça va pas être aussi simple que ça, les gars. Bon, écoute, il a encore disparu. Bonnard, j'ai envie de dire. Produit en rayon. Ah, c'est vrai, faut que tu mettes les produits en rayon. Ouais, j'ai l'impression que le tas de sable, il a rien fait. Bah, en tout cas, je vois pas de tas de sable. Là où les voitures sont censées arriver. Y'a pas grand chose en fait hein. Non, on a fait vraiment un petit réassort. Oh. Vas-y, il est reposé l'autre, tu peux le rappeler. C'est vrai qu'il faut le payer. Ça va, il nous coûte pas cher. Ouais, tu t'es pas fait chier. Oh non. Parking, on en prend une là? Ouais, bah si on a assez. Ouais, non, c'est 500. On a vraiment pas d'argent. On aurait plus de clients, mais encore, je pense vraiment que il faut attirer les clients. Et je sais pas comment faire. Je pense qu'il faut acheter de la déco, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Extérieur, on a vraiment beaucoup de place parce qu'on fait rien. Un banc à 20$. Panneau gas station. De toute façon, techniquement, on peut acheter tout. Enfin, je veux dire. On n'a pas l'argent, mais on doit pouvoir acheter tout. Voiture jaune, abeille, mais c'est de la merde. Mais c'est horrible. Après, ça, je peux acheter que ça en fait. En fait, c'est que ce qui me. Oh, on va faire une ligne de voiture. D'accord, mais c'est atroce. Oui. Ça, c'était joli ça. J'ai envie de faire mon plein. J'ai vraiment envie de faire mon plein là. En 5 lumineuses, route 66. Oh, ça, c'est. Ça, il nous le faudra. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop, trop beau. Cool. Bon, là, c'était combien? 205$? Ouais. Prochain. Vieux banc. Putain, ça va les bancs, hein? 100$. Pique-nique, 200$. Ah, il faut. Vas-y, faudra qu'on en fasse ça régulièrement. Ouais, mais c'est des ouf le prix, mec. Regarde le prix, 690$! Attends. Ça donne envie, mais bon. Panneau d'accueil, ça c'est stylé aussi. De ouf. Route asphaltée. Waouh! Waouh! Putain, c'est tellement la classe! Comment c'est trop stylé ça! Ok, putain, la route asphaltée c'est le truc à avoir quoi. On t'a un client au garage. Le garage. Faudrait peut-être vider les poubelles un jour, mais je sais pas si. Tant qu'elles sont pas pleines, moi je me dis que c'est ok. Ça va vite partir les roues, tu vas voir, c'est incroyable. Ouais, c'est ça qui est chiant, on les avait à un prix d'or quoi. Oh, quand il va falloir racheter ces trucs là, je peux te dire. Après, il y a peut-être un jour où ce sera pas cher. Ah, mais t'as vu tout à l'heure l'objet qui était ultra pas cher là? On doit en louper plein des trucs comme ça. Des promos de fou. Sûr, il doit y avoir des promos, mais c'est-à-dire qu'il faut surveiller des prix. Ouais, et ça c'est complexe. Ah, dommage. Un client à la pompe, tu fais ton boulot! Ah, ok. Tirer à sort, on n'a pas beaucoup d'argent. On a bientôt 500$ pour s'acheter des places de parking, donc essaie d'économiser un peu.
Et retire le tas de sable, tu sais quoi, dès J'ai maintenant, pas l'impression que la pendant ce tempête ait temps. rajouté des tas de sable. C'est peut-être un événement aléatoire où des fois J'en ça le vois fait, des pas en fois. tout cas. Mais Ah, il y a ah, des tas de sable si, là-bas. il y en a là-bas, ouais. Mais il gêne pas. Pour la livraison, il gêne pas, tu vois. Peut-être que parfois Après, ils c'est peuvent. chiant de devoir s'en occuper, c'est. Ah, c'est vraiment chiant, ouais. Encore si on pouvait Ah, juste là-bas, le il y en a, prendre et le mais je jeter. pense pas qu'il bloque. Non, je Ça pense que c'est bloque bon. pas, mais bon. Sinon, on aurait déjà eu des bouchons. Nettoie l'intérieur? Ah, j'avoue, faudra penser à nettoyer l'intérieur plus tard. Je vois tout le monde qui parle dans le chat de la station essence. Il y en a un dans l'eau qui fait Mbappé, tu pues la merde, ça bouge pas. Il s'est trompé. Les alcooliques de merde. Les gens sont dégueulasses, hein. Ce sera retenu dans les mémoires de tous. Ce moment où il l'a Ah, fait c'est sans ça rien ce dire. mur. Ouais, c'est horrible là. Et les poutres alors? Ah, les poutres, on aimerait bien. Bah on Poutre peut quoi? hein. Poutre quoi? Bah les poutres en noir. Poutre en Ou noir, en ouais. blanc, en blanc. Poutre. Ah. Le poutre en blanc, ça ferait un effet sympa. On part Il y sur aurait un blanc. rappel avec les portes et ça se dégagerait bien. Essayez de peindre la cuve à gasoil. Je pense pas que ça marche. Hein. Super. Allez, peindre le 3, c'est. Le 3. J'en ai marre de pas réussir à parler. Oh Peindre le non, toit, c'est j'ai mis trop con. Oh clic. merde, c'était pas la poutre! Oh non. Ça m'étonne de pas pouvoir changer ces fenêtres dégueu là avec du bois qui est mal mis. Ouais, la propreté. Ouh, la propreté. Ouais, c'est vrai qu'à l'intérieur ça devient crado. Ça pue là. Puis les chiottes aussi. C'est les empreintes de pas, hein. Ouais. Principalement. Mais bon, en fait, achète juste un tapis à l'entrée, hein. Les gens ils frottent C'est vraiment des gros leurs pieds. dégueulasses, hein. Vous pouvez Ah non, arrêter il de y a le petit marcher con! sinon. Prends la poubelle, prends la poubelle, prends la poubelle! Il est où? Je sais pas où il est. Il est là. J'ai entendu un petit rire d'enculé. Il arrive. Je sais pas où, mais je te jure que j'ai entendu un petit rire. Là! Oh Ah, l'enculé! bâtard avec sa boule puante. C'est où il se barre? Petit coup pour la route. Ok. Ah, elle va bientôt plus être à la caisse enregistreuse parce qu'elle va aller, soi-disant, dormir. Aïe aïe Enfin, pour moi, aïe c'est aller aïe faire la bringue. aïe. Fainéantise, putain. Vas-y, achète la place de parking. Ouais. Ouh. Oh, ça c'est. Ah, allez chercher. Nickel. Elle va quand même pas se barrer en plein service. J'ai trop peur Cap. que j'aurais terminé pas le client. Allez, Eh, casse-toi. cours! Carrément quoi. Vite! Je dois arrêter de travailler. Sûr qu'elle nettoie pas. Elle nettoie pas quand elle le fait, c'est sûr. Elle fait pas comme moi. Ah, c'est sûr! Combien? 273 dollars. On est comment en essence? Je m'en branle. On est 158 litres. C'est encore ok. Va falloir faire des ressorts de garage. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on peut jamais avoir du pognon en trop pour pouvoir faire les décos, parce qu'il y a toujours des choses à acheter. Ouais. On fait pas assez de marge ou quoi? Clope. Glace. Clope, glace, alcool, Bouffe. bouffe. Clope, Clope. glace, alcool, bouffe. Clope. Glace. Regardez-le ajouter à son panier comme s'il avait plein d'argent. Alcool. Le mec qui va être déçu à la fin. Et l'Amsterdamer, elle est pas chère là. La bière de clochard, c'est parti. Bouffe.
La bouffe, il en faut quand même un peu, hein, parce que ça part vite. Hein. Combien de paniers? Oh, c'est pas de chance, ça. Je vais retirer un peu de clopes, les plus chers des clopes. Hop. 495. Ah, on est vachement loin du compte, en fait. Ouais, ouais, ouais. Les chips au paprika, ça s'en va. Dégage-vous une bouteille de l'alcool, hein. Là... Pas très cher, hein. $13, pas de problème, on est riche. J'ai envie de faire le casse du siècle, j'ai envie de trouver la voiture, la seule voiture de jeu, tu sais où, genre il y a 1500 ah, balles. Regarde le truc que t'as chouré tout à l'heure dans ton inventaire. Ah ouais, je vais regarder. Le truc rare là. J'espère que c'est rare. Oh, beau panier qui s'est fait lui. Très varié, très sympa. Et ben mon salaud. $29. Seulement, putain. Mon inventaire, c'est ça. Oh la Dracena Reflexa. C'est ça? Ça fait un peu de verdure, mais bon. Ouais. Ah oui, un peu d'éclairage. Ah oui. Est-ce qu'on se le fout, ça? Je sais pas, mais un peu d'éclairage sera le bienvenu. Je sais pas, c'est pas beau, mais vas-y, j'ai pas le temps. Non. Et la peinture, il va falloir qu'on l'accroche aussi. Hein. Ta gueule. Pas là. Oh, ça se voit. Encore une fois, faut impressionner les clients. C'est grand. Hein. C'est vrai que c'est grand. Bordé baiser. Dans les voilà. Gosses. Elle est bientôt finie de reposer, elle. Caisse, garage. Oh, dis donc, elle coûte un fric, hein, celle-ci. Tu nous coûtes un bras, voilà ce que tu nous coûtes. Juan, il était pas si cher à la pompe. Hein. Livraison. Putain, j'ai peur qu'il y ait plus de discobus. Ah, oh, le discobus. J'ai peur qu'il arrive au pire moment. Bon, après, maintenant, on sera préparé, on fera tout pour l'accueillir, mais. Bah, jeter tous les déchets très rapidement et nettoyer le sol. C'est tellement clutch quand ils arrivent, quoi. Tu sais que tu pousses même avant que tu sois monté, ça marche. Oh, le beau boost. Pour boire reçu 11 sur 100. Ouais. Légèrement abusé. Oh bah y'a de la glace hein. Pas acheter de poisson. Ok, là c'est un beau réassort. C'est pas mal. Bon, il nous reste des trucs mais bon. Ah merde, les gens ils achètent pas à cause de ça, putain mais... Encore une fois, quand elle a pas de client, elle pourrait quand même s'en occuper, merde. C'est la même pièce, elle le regarde, mais elle s'en fout. Il va arrêter de travailler à la pompe. Porte. Elle est fermée la porte. Ah merde. J'étais pas censé faire ça. Non. Pas de rapporter beaucoup celle-ci. Putain. Elle va même mettre un avis négatif sur le garage. Oh la casse-couille. J'ai jamais remonté. Je crois qu'on appelle les éboueurs parce que la poubelle elle fume. Genre ça pue. La
La benne? La poubelle extérieure, ouais, la benne. Genre, il y a de la fumée qui se dégage et je me dis, ça se trouve, les clients trouvent ça inconfortable. Ah, c'est gratuit? Je sais pas, en vrai. Ça va pas demander d'argent? $50 le plein? $60! Pas mal. Allez, viens pour 20 balles, c'est sûr. Allez, casse-toi, 30 balles. J'ai un peu poussé pour l'arnaquer là. T'as du carburant faible. Génial. Allez, faites de l'argent là, vite fait. Un plein. Ah, c'est un truc. Allez. Un panier, un truc. Allez, ça le bip, hein. Putain, l'argent. Tu vois, là, on voit que l'argent ne rentre pas. Oh, oh ouais, non, mais là, c'est quand allez. Même... Putain, c'est scandaleux, l'argent. Elle est lente. Elle est lente. Aucun pourboire, en plus. Ouais, le problème, c'est que mais les pourboires, de c'est moi qui dois les faire, boulettes. quoi. Oh, puis il faut servir 250 personnes à la caisse. Mais j'ai l'impression qu'on... Putain. On gagne pas d'argent. C'est pour ça qu'il faut emprunter à la mafia. On va finir par emprunter à la mafia. Oh putain, quand tu dois les rembourser, par contre, ça fait mal aussi. C'est pas un taux d'intérêt de 10%, ça fait mal, mais en vrai. Faut vraiment prendre son carburant, on en l'envoie souvent, parfois il est à 1,75. Ah, faut le prendre au bon moment le carburant aussi? Ah ouais, bah forcément un coup de tout. Ah merde, ouais, parce que ça c'est important. C'est bon, il y a des... les boueurs, il est passé là? Ouais. Je pense. Bien joué. Ouais, c'est bon. Bien joué, Joe. Le meilleur éboueur du comté. Attends, oh là, il s'est reposé, le pompiste, carburant, là prix 2,25. On retient ça. Faudrait voir, ils ont pas un ouais, mais on voit pas le marché, graphique. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Bah ouais, 2,25, ok, 2,25. Ah non, il n'est pas encore reposé, le pompiste. Tous les jours à minuit ça change. Ok. Ouais. Alors là tu vois j'ai pas grand chose à faire mais j'ai pas d'argent non plus. Donc je vais faire de la peinture. C'est vrai que t'as pas d'argent. Bah y'a des façades que t'as pas faites. Ah. T'es quand même pas en train de refaire le mur. Ça va. Et on va voir le plus beau garage du comté. Hein. Oh là, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Et il est pas oh, fini. Oh, les nouvelles surtout. Couleurs. Qu'est-ce qu'il a? Je suis sûr pas... qu'il y a une poutre qui traîne qui a pas été faite. Impossible. T'as 3 clients à la pompe. Ouais. Est-ce que des chiottes sur le long terme ça nous rapporte quelque chose d'intéressant? En vrai un peu parce que ça nous coûte rien. Et ça met des petits dollars par-ci par-là. D'ailleurs on pourrait rajouter des chiottes. Sur le long terme ça fait toujours des petits dollars qui s'ajoutent. Ça coûte combien des chiottes? C'est cher. Vas-y, allez, rajoute un. Hein. C'est quoi le reste? Ah, améliorer là?
Ça, je sais pas, Là, ça. on est à fond. Je crois qu'on est à fond. Et ça, il n'y a rien. Et le premier, c'était quoi? Place de parking. Et on a tout, visiblement, qui me propose rien. Mais demande aux pompistes de revenir bosser là. Il est bien Putain, gentil, mais oui. il a assez dormi, mais faut le payer avant. Un client au garage, ensuite tu peux peindre hein, parce que t'as un mec à la caisse, un mec à la pompe. C'est pas parce qu'on est au Bon, garage qu'il les n'y a pas à babillons. s'habiller, hein. C'est dingue, ça. Et bah les nibards alors. Y a un PC dans le garage aussi. Ah! J'avais pas vu. Y en a un dans l'entrepôt. Au Ah, c'est top. qu'on a bientôt plus de trucs anti-rayures là. Ouais. C'est vraiment un produit miracle ça. Bah pas tellement hein. C'est long quand C'est long, mais je veux dire, Oh t'imagines, t'as une bordel. rayure sous ta bagnole, hop. T'es peint ici là. C'est une affaire qui roule là. Ah mais c'est C'est bon, c'est peint. pas. Il y a Non. des côtés pas peints, hein. Jean-Pierre. Ça, pas peint. Et tout ça, c'est pas peint. Oh, la poutre à couche. Ouais, elle m'énerve aussi. Et ça te frustre pas, ces volets tout pourris là? Ouais, si, ouais, un peu, ouais. C'est dégueulasse. Un peu, ouais. On est chez les clochards. On est où là? C'est les pourboires le problème. Va falloir que je reprenne la caisse si on veut avancer dans le jeu. Y a une poutre à gauche. C'est pas blanc là. Si, c'est blanc. C'est blanc, mais c'est. Regarde. Oui, mais c'est l'éclairage, je pense, non? C'est quand même de la merde. En fait, il va falloir que je reprenne la caisse si on veut avancer dans le jeu. Bus! Bus! Oh putain, Bus! oui, j'arrive, Bus! j'arrive, j'arrive! Vite, vite, vite! Mais pourtant, Oh au pire putain! moment, c'est vraiment une blague! C'est une blague! S'en fout des tâches, les poubelles, les poubelles, les poubelles, on vide les poubelles! Ils sont en train de dégueulasser tout! C'est une blague, sérieux! Pitié, pitié. Mais ils font quoi? Ils consomment là? Ils con... Ils consomment quoi? Ils consomment. Acheter? Ils consomment quelque chose ou ils consomment pas? Acheter, les gars! Parce que Oh, là, moi, arrêtez de... je vois juste des mecs faire la fête, hein, ils consomment pas. Hein. Bah, ils font la fête, faut... Oh les gars! Ok, allez pisser! Regardez l'argent, ça. Ah, oh, il y a des mecs qui ont la diarrhée. Oh, j'ai entendu. Les poubelles, alors surveillez bien les poubelles, parce qu'ils foutent vachement de déchets dans les poubelles. Putain, c'est... C'est vraiment des crados, hein. C'est le but du event. C'est les streamers qui descendent pour se faire... Gros Le plein. dégueulasse. Ah, il y a de l'argent qui monte là, 124. Oh, c'était à 500 tout à l'heure, hein. Ça grimpe bien. Ils Hein. font la queue là. Ok. Ils sont vraiment Il y a des dégueulasses, poubelles qui mais en traînent, fais vrai ça gaffe. va, ils consomment. Où Ouais, ça? ils achètent, ils achètent. Il n'y a pas de réassort à faire, c'est bon. Il y a des trucs partout. Ça passe. Ah, ils ont tout pris, hein. Ah ouais. Les boissons, c'est chaud. Clope, alcool, on est à Oh, sec. j'aurais dû le faire là, j'aurais eu tous les putains de pourboires. Ah, y a du monde, hein. Y a du monde, hein. Faut juste faire gaffe que ça reste propre. Crochette le bus. Je pense pas. Client à garage, vas-y, je pense pas que je puisse crocheter. Vas-y, vous me le dites tous, donc je vais essayer. Évidemment que non. Attends, c'est pas là le coffre en abus, c'est sur les côtés, tu sais bien. Les portes latérales. Il y en a Sur les bus pas. américains, c'est aussi sur le côté. Ou à l'avant.
Eh, ça monte le fric, hein. Ça monte, c'est des beaux paniers qui nous font là. C'est vrai que ça va, c'est pas mal. Par contre, je vais aller nettoyer encore parce que. Ouais, j'ai peur qu'il soit crado. Oh là, ça grimpe en fait les poubelles là. Par contre, ce qui est idiot, c'est que ça te recrée un sac même quand il y a genre une canette dans la poubelle. Quoi, non, non, non? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un coup de balai à quelqu'un? C'est possible. C'est pas, j'ai peur que ce soit en Putain, caisse qu'il y ait un je crois que problème. c'est les toilettes qui sont dégueulasses là. Bah non, même pas. Bon, je sais pas trop ce qui est dégueulasse là. Et bon, on est quand même passé à 800 dollars, hein. Pas mal. Va falloir acheter de l'essence. Voilà. De toute façon, dès qu'on est riche, dis-toi, va falloir acheter de l'essence. C'est toujours Bah, tu pareil. viens de décrire ce qu'était la vie entrepreneuriale, quoi. Tout Ouais. simplement. Pas de miracle. Peint les murs dans les toilettes. Il y a plus urgent, mais oui. Personne n'encaisse? Mais c'est vrai qu'elle est partie se poser, putain. Ah putain, en plus, vas-y, je suis coincé là. Il n'y a plus de lumière dans le garage, les plombs ont sauté. Putain. Ouais, ça fera des pourboires. Ouais. Non, mais attends, pour avoir reçu 14 sur 100. Bah ouais, parce qu'elle en a jamais. Elle est pas souriante en même temps. Hein. Elle en a jamais. Tu as 10 minutes Ah, il pour y a les un défi voitures. voiture. C'est quoi? Quand tu dois crocheter des voitures. D'accord. Ça vient de commencer? C'est où? En haut à En haut à droite. droite, Ok. hop. Il va falloir que je trace un peu. Putain, il y a du monde, hein. Allez, t'as 1000 balles. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des stocks, on commence à être un peu à Ouais, sec. je pense que ouais. Vu comment ça consomme de ouf là. Putain, mais ça ne s'arrête jamais cette caisse. Oh, Est-ce l'autre il est qu'on en peut repos la pompe. revendre des étagères pour prendre des plus grandes? Je sais pas. Chat, vous savez ou pas? Ou alors on en achète juste d'autres. Ils sont en repos les deux au même moment. C'est génial. Et là tu reprends la vie comme au début. Ouais. La caisse, ça s'arrête jamais en fait. Bah on a augmenté les places de parking. Ouais. Faudrait trois caisses avec trois caissières. Ou caissiers. Ouais, t'as pas le temps de crocheter des voitures hein. Ah putain, j'avoue, je dois crocheter des bagnoles. Allez, on essaye. Ça a pas Non, marché. mais c'est abusé. En plus, à chaque fois, ça le reset, ça le met complètement ailleurs. Là, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Ah, faut que tu ouvres Ouais. le pompiste. Putain, quand les deux sont en repos, c'est la merde, hein. Ah ouais, bah ouais, j'ai même pas le temps de crocheter là, je peux rien faire, hein. Putain, là, je peux rien faire, là, c'est horrible. Commande. Je suis coincé. T'as 5 minutes pour faire 9 voitures. Et la caisse.
Oh mais ils font chier à mettre leur petit pouce là en mode ah, c'est bon, prends tes courses et vers toi. Sympa. Ouais là faut enchaîner hein. Faut enchaîner les crochetages. Le mec vient juste d'arriver hein. Je l'ai first try le bâtard, pas de chance. Oh c'est une belle voiture. Voilà, il y a au moins un déodorant Axe. Je veux pas la rater. C'est bon, ils sont reposés les deux couillons. Ok. Faut que j'aille les payer et les recruter. Il te restera 4 voitures à faire. Peut-être que si tu lui donnes une prime, elle va se donner mieux. Putain, imagine c'est pas le cas. L'enfer. Bah alors, ça servira à quoi de donner une prime? Je sais pas. T'as moins de 4 minutes pour crocheter 4 voitures. Bon bah pardonnez-moi. Ouais, mais t'as pas de choix. Deux voitures. Y'a plus de voiture là. Ah bah c'est bien arrivé lui. Y'a pas de coffre. Que des pick-up. Ah! Oh, ah tu bah, l'agent, vous tombez bien. Vous tombez bien. Ah, payer la prime, ça sert à recharger l'énergie directe au lieu qu'il se repose. Ah. Oh. Bon, à savoir ça. Pour 200 dollars, tu peux lui faire reprendre le boulot. Faut que ça vaille le coup, hein, parce que ça te reviendra à plus de 350 dollars. Personne au garage? Non, personne. C'est rare. On peint quoi dans le garage? T'as pas le temps, fais un réassort. Check l'inventaire, t'as 980 dollars. Check ce dont t'as besoin. Alors, déjà, c'est horrible. Alors, ce qu'il nous faut beaucoup, c'est des tabacs, de l'alcool, tabac, alcool, boisson, bouffe. Journaux, c'est ok. Produits d'entretien, glace. Non, glace, c'est bon du coup. Je considère que c'est ok. Donc, tabac, alcool, bouffe, boisson. Et produits d'entretien. Alcool, tu peux y aller vraiment. Voilà. La bouffe, au moins 3-4 trucs différents. Boisson pareil. Sauf qu'on fasse les stocks, hein. On a 1000 balles, tu peux y aller. Hein. C'est bon là? Entretien. Non, produit entretien. Ah, l'éponge à 104, putain, j'avoue, des fois ça fait mal quand même. Hein. Non, l'éponge, tu la prends pas. Ah non, non. Insuffisante warehouse capacity. Je t'emmerde! Je t'emmerde! Une blague! Et comment on fait? Vite! Et le panier il va être reset? Ouais, je sais. Pas le choix. Boisson, tac, 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 casse-croûte, tac, tac, tac. Allez, tac. Et puis ça, toi. Et une petite boisson en plus, ouais. Top. Alcool. L'alcool, tac, faut y aller. Tac, parce qu'on a une grande étagère. Tac,
Cigarette. Cigarette, on tac, a toujours besoin à chaque tac, fois. Tac, tac. Entretien. Tac, tac. Ça, c'était bon. Chapeau et lunettes, hein, on retient. Ouais, il faudra des étagères. Moi, en fait, faut augmenter la capacité des journaux et des glaces parce que chaque fois, fond insuffisant. Ah ouais, t'as payé pour augmenter. Ah putain de merde. Travailler. Oh. Il reste pas grand chose, hein. Je vais péter un plomb, je peux pas quitter parce que sinon mon panier est mort. Vas-y, retire un truc et paye. Je trouve une clope. Non, parce que je peux pas scroller parce que c'est un jeu de merde. Client à garage, j'arrive. Oh là, et vas-y, puis mais ça se. Ouais, faudra nettoyer un coup. Va falloir payer un balayeur, hein. C'est pour ça qu'il y a, il y a ce rôle là à un moment, c'est parce que c'est abusé quoi. Ça va être. Ah, mais gros. Attends, ça va nous coûter cher cette histoire. Ah bah, de toute façon, il va falloir un employé par tâche à la fin. Lunettes et chapeaux, ça rapporte apparemment. Genre, c'est un bon plan. Okay. C'est un bon business plan. Bon, on va se faire une étagère. Et cette fois-ci, on prend des étagères grandes, hein, pas petites, parce qu'à chaque fois, on se retrouve dans la merde. Okay, bon, oh bah super. Oh okay. Bah super, tu m'étonnes que ça rapporte. Ok, c'est vrai que c'est cher. Garage. J'y vais. Il est beau le garage. Putain. Il est pas peint à l'intérieur, c'est dommage. Pas grave, c'est un garage, c'est sale. Ça sent la sueur, il y a du cambouis. Oh les trois roues, comment elles font peur. Tout a été pris. Faut regarder les promos sur les roues, faire gaffe. Bon, je pense qu'il va y avoir un moment où ça va être. Là, le réassort de. Putain, mais là aussi, les miroirs et tout, il y en a plus beaucoup, hein. Pareil, les tubes pour les rayures, il y en a vraiment plus beaucoup. Je crois qu'il en reste un ou deux. On va faire un plein. Les batteries, ça va. Il devait y avoir une promo sur les batteries, non? Oui, oui, c'était à 20$ les batteries. Non, vraiment, il y a ah des moments ouais, où voilà. C'est insane. Hein. Attends, on va commencer à connaître par cœur le prix moyen de chaque produit pour savoir quand est-ce que c'est intéressant. Et pour si checker les gens, la cour. Si les gens pouvaient surveiller le catalogue et nous prévenir, ce serait incroyable. Ils peuvent pas. On va remplir les étagères, j'espère ça. Que les gens n'ont pas entendu ce que j'ai fait. Ah, je n'ai pas entendu, moi. Oh non, mais toi, c'est sûr, mais par contre. Oh bordel. Si, si. Bah, t'as pété. Si. Ah. T'as fait un gros paix. Non, mais le pire, c'est qu'il s'est laissé échapper sans que je lui demande. Oh non. Ah, le paix incontinent. C'est vraiment le paix de personne âgée, quoi. On a jamais eu autant de. On a jamais fait une aussi grosse commande. Il est pressé de partir. Laissez-moi. Allez, barrez-vous. Je veux pas partir. Ah, ça c'était sûr que ça allait arriver. Ah, c'est bon, tu vois, ça roule. Le P qui s'évade de prison. Ah, faut faire un bon réassort là. Et un petit coup de polish aussi. Putain, t'as vu, c'est même pas assez pour remplir les rayons. Hein. J'aime bien ta volonté de proposer plusieurs produits différents. Je veux que ce soit varié, sinon c'est dommage. T'as encore acheté un magazine sans le vouloir. Il y a pas putain, assez les de clopes elles me font putain. Pitié. Hein. Mais là, l'étagère du bas, elle est pour les cons. Nettoie un peu par terre.
Et c'était quoi qu'il fallait faire? Gagner de l'argent? Acheter des étagères, on a 824 dollars. Truc de lunettes et chapeaux. Et vérifier le prix de l'essence, effectivement, c'est vrai. $2, c'est moins que 2,25, 2 dollars, mais je pense qu'il moins, faut hein. attendre sous les 2 dollars. Ah ouais? Est-ce que vous pensez, Ok. est-ce que vous avez déjà vu sous les 2 dollars? Sinon, on prend. Vas-y, de toute façon, on attend. De toute façon, c'est pas faible là, donc. Ben, on sait pas. L'essence, j'ai vu 1 dollar. Ouais, lui, il parle d'un mode. Ouais, moi, une fois, j'ai vu 1 dollar l'essence. Ouais, on peut vendre les trucs, hein. Faut faire gaffe. Ah, donc, faudra vendre les petites de glace là. Oh, les trucs La de vache. lunettes, ça peut passer partout là. C'est près de la caisse ou près de l'entrée généralement. À trop près de la caisse. Ouais, Oh. ça là, ici, parfait. Pareil, ça c'est un truc qui doit bien se voir. Ça, Et c'est tu sais, tu chiant peux mettre des alors trucs ça. en plein milieu, hein. T'es obligé de coller au mur, hein. Il y a des choses qui peuvent aller là, hein. Ah, il sera là. Et maintenant, faut faire le réassort, faut acheter des chapeaux et des lunettes. Oui, bah les emmerdes. Il va falloir faire le garage d'abord. Le réassort du garage? Ou Des roues. garage tout court? Des Ah, les roues. roues, mais les roues, elles sont à Des combien? roues et du. Enfin, si les roues sont pas chères. Sinon, ça sert à rien et autant pas faire les clients, quoi. C'est pas grave. Je pense que je dois changer de froc. T'as vérifié qu'il n'y a pas eu de casse? J'ai pas vérifié, mais vu le bruit que ça a fait. Mais il se fout de ma gueule là ou quoi? Au revoir, la roue. Ah, c'est bon. Ah non, il n'y a pas besoin de roue en fait. Ah! Juste un miroir. Ah, c'est une affaire qui roule quand même. Il y a le coup Ah de main. bah ça roule hein. Ah, je suis un pompiste hein. Et pas seulement, je suis multicasquette comme on dit. Pompiste, balayeur, caissier, businessman évidemment. Manager. Manager. Garagiste. Oh là, j'ai pas fini la Oh, merde. vous roulez sur mes ordures. Allez hop. Bon, ouais, ça dégage. Ah merde, il est dans tes mains. Et Terra, il est quoi? Patron. Superviseur. Vas-y, check. Déjà, si on peut acheter des lunettes et des chapeaux. Oh! Oh! Oh, ça pour ceux qui aiment faire la fête. Ça coûte 1 $. T'as que dalle, ouais. Ça ne rapportera pas beaucoup par contre. Putain, c'est Et, oh, il y cher a des sa lunettes, elles mère! sont chères, ouais, mais ça rapporte vraiment un max. Apparemment, vraiment, c'est bénef de ouf. Donc, ouais. Mais mou, les chocolat glacis, n'hésite pas, elles sont vertes. Et on avait besoin de quoi d'autre? Pour la Ah. voiture. Ouais, c'est la voiture. Combien là? Ok, ça va. Est-ce qu'il y a un truc pas bon? Ah, oh, Pas bon. c'est Pas bon, cher. pas bon, Ah, pas bon. putain. Pas beaucoup, on en a déjà, hein. Ça. Ouais. Non, En non, vrai, ça non. vaut Elle même pas était le à coup d'en acheter 20! Elle était maintenant. à 20, t'imagines? Ça vaut pas le coup d'acheter, On hein. l'avait eu Ah là. ouais. Attends, par Non, vas-y, curiosité. ça vaut pas le coup. Est-ce que les pneus, on a loupé un. Bref. 50, c'était à 50 au plus bas. Ah, c'est à combien? 70. Si on voit des pneus à 50-60, c'est bien quoi. Putain, elle court se reposer. Saloperie. Bon, il est à 2 $, excusez-moi, mais je prends, hein. Vas-y. Il faut juste que tu checkes à un moment donné pour revendre les étagères de journaux et de glace qui sont qu'à une place et qui nous posent problème Mais régulièrement. il va falloir vider toutes les étagères, il va falloir retirer tous les objets. Mais est-ce que elle se vide pas automatiquement? Non, il faut l'avoir dans son inventaire, je pense. L'étagère. Enfin, j'ai jamais vu de bouton vendre dessus.
Combien coûte l'odeur de l'essence, entre parenthèses, pensée du soir? Putain. C'est un vrai truc. C'est un gars qui l'a dit. Ah, pensée du soir. Putain, il voulait un plein de fou. Et y a plus d'essence. Et le pompiste? Il va se branler? Ah non, c'est pas le pompiste, c'est le réassort. Il est pas encore arrivé, le pompiste. Oh, mais là, c'est une ouais, galère. Bah, le camion pour le réassort, il est là en tout cas. Ouais, enfin, tout le monde est là. Là, faut bien que je fasse un choix. Prends l'étagère et tu cliques gauche pour ramasser. Ah ouais? Ok. Ouais, mais pour la ramasser, la dépasser, nous on veut la vendre. La route égale moins de balayage. C'est vrai? Si c'est vrai, c'est bien fait. Mais c'est cher. Mais faut le faire. Mais ça coûte 1500 la route. Il faut vraiment le faire à un moment où on est très très bien quoi. Y'a aucun moment où on se dira putain, les 1500, je sais vraiment pas quoi en faire. Non, ça c'est sûr, faudra faire un sacrifice, mais. Avance! Putain. Paye les salariés directement pour qu'ils travaillent H24. C'est-à-dire? Ça empêche pas que leur fatigue monte, non? C'est vrai que même si on les paye directement, je vois pas pourquoi ils travailleraient plus tant qu'ils ont pas leur prime. Vous perdez moins de temps à balayer avec les routes en asphalte. Ouais, mais 1500, tu sais combien ça fait 1500? Et aussi les autres décos comme le panneau, c'est vrai, mais on manque d'argent. Excusez-moi, hein, mais on manque il faut de thunes. Des thunes. Ah, par contre, avec ce beau panier de monsieur, c'est 98 produits. Oh. Client à garage. Si tu fais aucune erreur, tu peux augmenter ton combo scan. Il est quand même à 98. Attends, tu vas passer les 100 là. Ah non. Ah non, c'est que t'en as fait 99 sans se faire d'erreur ou juste à la suite? Sans faire d'erreur, je pense. Je me souviens même pas de la dernière fois que je fais une erreur. Attends, là, si tu fais une erreur, tu vas me dire que ça tombe à 0. Scan réussi, 4. Ah non, c'est ça. Hein. Scan réussi, c'est. Non, c'est les scans réussis, je pense. Vu que ça fait 4 que je fais là. Et là. L'employé, elle casse mon combo. Scan réussi, 8. Ah non, non, non. Ça concerne que le scan en cours. Oh merde. Oui, ah bah voilà, ouais. Ouais, mais on va payer quelqu'un pour l'entretien quand on aura de la place pour les salariés, écoutez. Ils sont bientôt reposés, de toute façon, les couillons. Garage. Pompe à essence. Tu vois, je peux te contrer. Tu me dis un truc, mais... Il y a d'autres choses aussi. Il y a tout le temps des trucs. Moi, ce qui m'intrigue, est-ce qu'on a un truc à vendre jeté? Ok. On peut jeter, mais on peut pas vendre. Génial. Là, faut aller chercher les lunettes et les chapeaux. Hein. Et les deux sont reposés là d'ailleurs. T'as un ordi. Ça coûte cher, putain, ça coûte cher. Il est parti, monsieur Garage. Mais attends, il est pas arrivé, les chapeaux et les lunettes, là? Si, je les ai pas mis, je pense. Tu les as pas achetés? Ah, si. Si, je les ai pas mis. Tu les as pas achetés? Non, je les ai pas mis sur le présentoir. Ok. Ah, tu les as pas achetés? Bordel de merde. Oh, il y avait encore de la place finalement. Incroyable. Putain, j'ai cru que j'étais le pompiste avec sa vieille gueule. Ok. Ok.
qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas ce que je veux faire, moi. Voilà, maintenant, on devrait se dire que c'est le moment d'augmenter la taille des étagères, là. On aimerait bien qu'on puisse avoir plus de place, parce qu'à chaque fois, on se retrouve à être comme des cons. Avec la glace qui rapporte rien, parce qu'on n'a pas la place d'en mettre, et les journaux, c'est pareil. Bah, vas-y, dis-moi comment faire, tiens. Enfin, je sais pas. T'avais pas réussi à trouver comment on vendait tout à l'heure les... Ou alors t'en achètes une deuxième, au lieu de la vendre. Ah bah là, y'a plus rien, voilà. Et Bah comment on peut la je... vendre alors. Et comment? Toi tout à l'heure t'avais pas un menu où t'avais réussi à Si, c'est trouver... bon, c'est là. Par contre on la revend beaucoup moins cher que ce qu'on a acheté. 57$. Je crois qu'on l'avait acheté plus de 200, un truc comme ça. Ouais c'est ça. Énorme. Ok, bah on va... Ce qu'on va faire c'est que l'étagère des journaux on va pas la vendre en fait. On va juste en acheter une plus grande. T'as trop cru que j'avais la place, toi, de faire tout ça. Tu l'as. Celle-là, tu veux laisser là. Encore. Un Enfin, tu jour, peux la déplacer si tu veux, mais je veux dire, on va la faudra la vendre là. dégager. Tu veux que Oh, je rachète sinon, quoi juste. là? C'est Étagère de l'alcool journaux plus aussi, hein. grande. L'alcool, on est toujours limité, hein. Mais l'alcool, à chaque fois, le problème, c'est pas la place de l'étagère, c'est qu'on n'a pas assez pour en acheter. Ah si si, j'ai toujours trop là, tout le temps. Ah C'est, ouais? j'ai jamais pu la remplir, hein. Je suis toujours bloqué, Bah, hein. t'achètes une deuxième étagère plus grande alors. Quoi, Elle y a a plus pas. de glace. Oh bordel, casse les couilles. Vas-y, étagère journaux. Garage. Je peux te contrer à chaque fois, hein. J'ai toujours deux choses à faire. Ouais, mais si je te dis un truc écrivain, tu pourrais me dire peinture. Ouais. Plus drôle. Oh non, les pneus. J'espère qu'il fallait qu'un seul. Ça va. Clope, il n'y a jamais assez, ça me vénère. Et il a écrit en majuscule. Je pense qu'il est vraiment énervé. Ouais, mais en fait, c'est vrai que on s'en branle un peu de. Faut surtout acheter ce qui est vraiment pas cher, quoi, en fait. On s'en branle un peu qu'il y ait de tout. Je crois qu'on s'en branle un peu. On veut surtout faire du bénéfice, en fait. Bah ouais. Peut-être que quand il y a plus de choix, ils sont plus aptes à consommer et acheter différents produits. Peut-être. Parce que tu vois par Je sais exemple, pas. ils achètent souvent différents types de bouffe. Différents Ouais, types de clopes, tu je sais vois. pas. S'il y a du choix, je pense qu'ils peuvent prendre de... différents produits. Sinon, il y aurait un... il y aurait une faille dans le jeu et juste tu prends le produit le moins cher à chaque fois. Bah, en même temps, faut le trouver hein, dans le catalogue. Faut avoir la présence d'esprit de se dire putain, c'est ce prix-là est hyper hyper bas, j'en profite. Faut être chaud, hein. C'est vrai qu'un petit coup de police sur les chiottes, c'était pas mal. Le fait d'avoir plus de choix égale payer plus grand. Ok. Achète des pneus, bah oui. Putain, j'ai regardé le chat, je me suis fait jeter dessus. Deux fois. Faut tout dire. Putain, tu fais dame pipi aussi, hein. Vraiment plein de casquettes. C'est vrai. Hey, est-ce qu'on n'économiserait pas pour avoir la route en asphalte là? Vas-y, hein. Regarde, on est à 1000 959. dollars. C'est le moment de le faire en tout cas. Peut-être que l'essence va nous refroidir dans 2 secondes, mais pour l'instant, ça semble être un bon moment là. Ta gueule. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se plaindre. Pardon, monsieur. Je voulais pas vous dire ta gueule. Le petit con, le petit con, le petit con. Oh non, la tempête. C'est pas le moment. C'est trop grand, il est où? Attends, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. À mon avis, il est en train de courir pour arriver. Ouais, j'entends qu'il court ses petits pieds de merde. Oh, sac à merde. Je le nique en ce moment, il a pas fait un graffiti depuis trop longtemps. Il veut la taguer, sa bite, hein. Toujours un dernier petit coup. Pardon. Oui, bah c'est bon. C'est la faute du gosse. Excusez-moi, je frappe un gosse. Bon, la tempête, t'es gentil, tu fais pas de la merde. Oh, ça défonce tout, hein.
1100$. Putain, on va se régaler. 400$, on est bon. Le réassort de voiture, il va falloir y réfléchir quand même, hein, malgré... Le problème, c'est... Ouais, là, c'est les pneus, hein. Est-ce que j'ai des trucs attends, que j'ai oublié de mettre ? Attends, c'est pas que les pneus. C'est pas que les pneus. Les batteries, ça va, batterie, ça va, mais... Il n'y a plus de miroir. Il n'y a plus de pneus, il y a presque plus de... Allons voir les prix. Trois produits différents. Miroir... Alors, pneus... Non, c'est trop cher. Vraiment pas ouf. Horrible. C'est trop cher. Horrible. Tout est horrible. Et on va fermer le garage, hein, temporairement, non ? Tout est horrible. Pour avoir un avis négatif. Là, tout est horrible. On peut le fermer le garage ou pas ? Je pense pas. Après, quand ils s'en vont... Ouais, quand ils s'en vont, ils doivent faire chier quand même, mais... Ouais, je pense qu'ils sont pas contents. Hein. Recharge les prix de tout. Bah, je sais pas comment. Je suppose qu'on peut pas faire ça. Bah on peut pas, sinon les gens rechargeraient constamment. C'est facile. Putain, les journaux, il y en a toujours, hein. C'est un truc de ouf. On a dû en acheter vraiment beaucoup. Ouais. Mais quelle bonne idée. Oh, c'est très bien. C'est bon, j'ai placé tout mon alcool. Oh, les clopes, les clopes. Oh, les gens fument trop. Tire à sort ou... Mais si réassort, pas de route. Adieu la vie de rêve avec l'asphalte. Adieu les routes, quoi. Putain. Ouais, non, on va d'abord faire la route. Faut qu'à un moment on se décide regarde, à faire. On est sur le point d'y arriver. Faut qu'on se décide à le faire, on clique et après on se démerde. Après on est dans la merde. Et voilà, on gère la merde qu'il y aura. Voilà, après on se démerde. Mais d'abord, il faut absolument acheter ça. Mets de la déco intérieure et, pour l'instant. Quoi ? Pour faire comme si on était intelligent et qu'on utilisait bien notre argent. Putain, c'est... Il y a des trucs qui sont quand même pas... Quand même pas ouf, les caisses et tout, là. Hein. Non, mais attends, il y a des plantes, il y a des lampadaires. Ouais, mais c'est des trucs qu'on a déjà mis. Mais ouais. Et alors ? Et voilà, je suis désolé, mais un peu de verdure, ça égaye. Ah, c'est magnifique, hein. Et voilà, on montre bien aux alcooliques où ils doivent aller. Voilà, ça, la bière, elle est bien belle. Ah, c'est mieux, là, hein, la bière. État du carburant faible. Qu'est-ce que t'en penses, là, maintenant ? On a dit un truc. On n'a pas le choix. On fait cette route en asphalte. Je pense que tout le monde est d'accord, on doit faire la route en asphalte. Si vous êtes d'accord, je la fais. Il reste que quoi, même pas 20$ et c'est bon. Après, on aura même plus de quoi payer les salariés, pas de quoi payer le réassort, garage vide. Client à garage, j'imagine qu'il veut une roue. Vous voulez une roue? J'ai jamais vu quelqu'un venir au garage sans avoir besoin de roue. Bah, vous êtes plus malin que les autres. Eh bah, putain. Bien joué. Eh ben ça c'est la fête. Vous savez combien elle m'a coûté cette batterie ? 20$. Parce que vous prenez du vent. 20$. Et vous allez me payer combien ? Alors, attendez. Oh, ouais, j'ai beaucoup d'huile. Vous avez besoin de beaucoup d'huile quand même, hein. C'est tout ce qu'il vous fallait ? Aïe. Ah bah vous avez la chance, il m'en reste deux. Ouais, hop. On a les 1500. J'hésite pas, j'appuie. Attendez, ça compte comme de la décoration. C'est-à-dire, est-ce que vous nous avez menti en nous disant que ça enlevait du sable par terre ? À 1500$, je pense que ça a une utilité. C'est quand même dans la catégorie décoration, hein, mais bon. C'est super de pas pouvoir cliquer sur les catégories directement. Et devoir faire tout pour aller à droite. Ça sert à rien. Moi je pense que ça sert à rien. Bon, ça compte comme une belle déco, tu vois. Voir en bas à droite, ça va te le dire. Ça a l'air d'être un texte un peu rigolo, tu vois, un peu en mode... On dirait... Écoute. Je clique. On veut une belle station, oui ou non ?
J'ai cliqué. Oh la boulette. La grosse boulette. Oh non. Aucune utilité, la route MDR, hahaha, ça sert à rien, MDRRR. Oui, mais on voulait de la déco extérieure. Ah là, ça, c'est une sacrée déco extérieure, voilà. Oh, on a vraiment pris la déco la plus chère, la plus chère. C'est possible. On est malade. Ah oh, pardon, j'avais pas vu. Excusez-moi. T'es un peu gourmand, mais. J'avais pas vu le. J'ai inversé les deux. À la pompe, y'a plus personne. Ouais, j'y vais. Alors, là, tu verras, il y aura plus de poussière à l'intérieur. Ah ouais, c'est sûr, ouais. J'y crois à mort. Merde. Oh, c'est du 56$ là. 54, alors, putain, j'y étais presque. Et celui-là? Bah là, on est sur du 60. Bah! Bah, y a plus d'essence. Ah putain! Oh les poubelles. Tant que tu sais que c'est gratuit, ça y va. Hein. Oh oui. On l'avait pas fait depuis le début du jeu, à part tout début. Oh, vous voulez des roues? On en a pas. Non, bah ouais, là, le problème c'est d'ailleurs, que. D'ailleurs, c'est quoi les prix en ce moment? Ah ouais, ça a peut-être été reset. Hein. J'immobilise quand même votre voiture. C'est illégal. On a pas le choix, on va devoir payer. Mais putain, mais y'a jamais quoi. En gros, y'a jamais. 75$ la roue. On va mourir. On va mourir. Regarde, regarde ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été aussi haut. Super non, cher, moi je non, refuse. Là. Non, non, moi je refuse. Écoutez, je. Ouais, t'as immobilisé son véhicule. Elle va pas me payer. Non, si ouais, je... fais rien pour l'instant, fais rien pour l'instant. Je vous immobilise votre véhicule. Plus de carburant. Oh putain, Elon Musk. Connard de pas appuyer dessus là. C'est quoi ce camion là? Ah, c'est les poubelles. Bon là faut faire un réassort hein, en plus de ça. Deux. Bah il nous manque pas des clopes là. Regarde les courbes un peu de celles qui sont au plus bas. Ouais tu vois ça vaut pas trop le coup, ça c'est pas ouf. Celle-là c'est pas mal. Celle-là c'est bien, elles sont jamais été aussi bas les spades. Mal aussi. Autre chose? Crème glacée, on en a encore pas assez. Encore un peu de. Ah ouais, des crèmes glacées, ouais, vas-y. On a acheté un deuxième truc. Ça, c'est. T'as vu? Ouais, le coût de la crème glacée, oh putain. Ça, c'est pas très intéressant. Ouh. Oh! Oh la fruitie qui régale. Tu veux revouler une cigarette? Mais t'as assez là? J'ai beaucoup là. Ok, vas-y. Remets-nous des spades là. C'est pas assez là. Remets-nous. Elles sont pas chères. Des spades. On a 400$. Hein. Le panier est à 300. Juste au cas où. Ouais, des chapeaux. Il y avait un peu de place pour les chapeaux aussi. Ça, donc ça rapporte rien ça. Faut des chapeaux qui coûtent cher. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais putain, oh la bonne affaire. Pardon. On s'en fout de ça. Le chapeau de flic, hein. T'as assez? Okay. J'arrête d'acheter. Ah on a pas acheté ah, de la pompe à essence. La pompe à essence. Ah non il est reposé le gars. Faut que tu recrutes le gars de la pompe. Oh. Malaise.
Bon, là. Vol 10 voitures. Oh, ok. On a pas le temps de t'occuper de ça. Du monde. Ah c'est sale hein, quand même hein. Là le côté côté scanner c'est cracra hein. Non merde. Ah faut me frotter tout ça hein. Ok, bah faut aller carjack tout ça. Dépêche-toi parce qu'il fait très bien son boulot. Putain, le mec était super musclé, tu as fait ça devant lui, j'aurais jamais fait ça à ta place. Rien à foutre. Je vais me faire péter la gueule avant la fin de la journée. Tiens, madame, patientez deux secondes. Oh non. De toute façon, je la bloque. Oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Oh putain! Lampe de maison en or. Lampe de maison en or! Ça fait une belle déco ça. Ah, il t'en reste encore. Putain! J'ai pas remarqué s'il y avait beaucoup de traces de pas depuis qu'on a mis la route en asphalte. J'en ai vu des géants qui étaient des gros cons, mais alors là. Ah, c'est trop dur. Putain, ça y est, j'ai plus là. Tout ça pour récupérer des objets de merde. Ah ouais, il ressort. Va faire du bien ça. C'est juste des clopes et des glaces, non? C'est pas fou. Hein. Et des petits chapeaux. T'as essayé de taper en haut pour voir si ça, ça baissait pas le véhicule? Je sais pas. Amélie à la caisse. Ah, c'est vrai qu'il faut aller la recruter à la caisse là. Elle va s'occuper de tout ce petit monde là. Vas-y, fais le réassort. On a plus d'essence ? Non. Non. Mademoiselle ? On a plus de garage, on a plus d'essence. Réassort. Non, on peut pas. Il y a toujours autant de traces par terre. On a pas d'argent, donc on a pas d'essence. Mais non, mais t'as mis des cartons. Ah, tu parles de ça. C'est tout ? Ouais, ouais. Je pensais que ce serait quand même un peu plus impressionnant. Allez, chapeau ! Oh bah c'est parti vite en fait. J'adore les chapeaux. Là ça se passe mal. On a 23 dollars. Là ça se passe mal. 23 dollars. Je suis en train de penser qu'on aurait 1539 dollars si on n'avait pas fait la route en asphalte. C'est possible. Il y a toujours autant de traces par terre donc ça n'a vraiment pas aidé. Non,
Je pense que ça n'a absolument rien fait. D'ailleurs, je n'ai toujours pas remarqué. Je suis pas sorti, je me suis dit, oh, Moi des non routes en plus, asphalte. je sais, j'ai pas fait la diff avec C'est, avant. tu vois, c'est pas énorme en fait. C'est pas génial parce qu'elles sont pleines de sable et dégueulasses. Donc vraiment de la merde. Je suppose que les roues, c'est toujours. Oui, voilà, c'est toujours C'est les plus toujours hauts aussi prix, cher. les plus hauts prix qu'il y ait jamais eu dans cette merde. 50 Non, mais dollars, c'est parce c'est qu'il en y a une fait, augmentation c'est des coûts de énorme, matières hein. premières, c'est pour ça. Non, mais là, Finis c'est de crocheter. Oh, j'avoue! T'as 3 minutes pour faire 2 voitures! c'est un fiasco. Oh merde, y'a le pompiste qui est arrivé. La ferme. Mais ça a Ça a été pété nerf! l'alarme. Et puis pourquoi ça me sort? C'est incroyable, ça me sort. Je touche à rien, ça me sort. Ça me sort. Change de véhicule. Bon piste. Je sais. Je l'ai payé 17 dollars là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est pas cher lui comparé à la meuf en caisse hein. Vraiment pas cher. Voilà, c'est un peu le moment où t'es coincé. Là, c'est le moment où tout le monde travaille et où j'ai pas d'argent. Et où je passe le balai comme une merde. Et là, on est un peu loin de réussir les défis, hein. Assez, ouais. Bah surtout pour réparer les voitures, puisque on n'a plus l'argent pour réparer les voitures. Donc, Ça, c'est vrai que... ou alors on prend un giga prêt pour réparer des voitures et avec la marge qu'on s'est fait sur les voitures, on rembourse le prêt. Si tu veux te faire casser la gueule, tu peux. Vais me faire péter la gueule. Mais n'oublie pas de poser les lampes en or. J'ai cliqué. J'ai l'impression que ça ne m'a pas pris en compte. Ah, là ça a marché. Super. Vite! Commandez. On les achète au prix fort, hein. 6 pneus. Ça, j'en prends vraiment 2. Miroir, genre. Ils sont tellement chers les miroirs. Ils sont pas C'est les censés prix être. les plus forts. Ils sont pas censés être à ce prix-là les miroirs, Ah, putain. c'est bon les batteries et trucs comme ça, t'en as assez. Ouais. 960 dollars. Bah, on a fait le. Voilà, c'était le prêt voiture, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Maintenant, Oh, faut attendre la livraison et espérer pile. qu'il y ait plein de bagnoles. Parce que là, faut rembourser le prêt. Faut qu'on fasse 1100 dollars de bénéf avec cet achat. Sinon, ça fait de nous des merdes qui avons investi dans le mauvais truc. Dur. Et quand j'ai rien à faire, je fais ça. Et lampe en or. Ça ne rapporte pas d'argent les lampes en or. Je veux voir comment elles sont. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elles rapportent pas d'argent. Fais voir les lampes en or. Des missions pour projeter des trucs, t'en auras Bois assez. de serre avec Bois de serre lumière. avec Ah, lumière. ça te fait réfléchir, non, parce que où est-ce que je les ai trouvées les lampes en or? C'est ça que je me demandais. Dans des bagnoles! Et ça sert à quoi de récupérer des objets si c'est pour pas les prendre? Putain, mais bordel, tu sais très bien comment je vais te la placer, ta lampe en or. J'attends, je veux voir la lampe en or. Moi, je veux une flopée d'objets. Tiens, bah t'auras ça.
Oh non, oh, c'est horrible. Alors là, non mais alors là, c'est horrible. Non, là c'est trop. C'est vraiment tu un veux pas gag. me montrer la lampe en or, et ben voilà. C'est les Looney Tunes là. Non mais c'est vraiment. C'est fart pour MP3. Oh non, mais franchement. Oh, je vais te le poser là parce que. Oh, c'est trop. Tu peux voir la lampe en or. Mais c'est bah, déjà ça? bah, c'est à chier. C'est... C'est la même. Ah oui, c'est la même, mais en or. Ah, ah oui, en or, oui, effectivement. Horrible. T'en as deux. Hein. Oh, boîte serre avec lumière. Putain, la classe. La méga classe, même. Et c'est pas en extérieur, c'est que en intérieur. Bah, dans le garage, hein. Tu peux dans le garage, non? Ça fait vraiment Texas Country, s'il y a des boîtes serre. Arrête. Mais c'est pourquoi finalement? Mais on n'a pas assez de place pour toute la déco juste dans le truc là. Putain, ton paix, il était genre. Il était spécial. Hein. T'as impressionné, pucelle? Tu fais pas les mêmes genre, à la maison? Genre vraiment, il était dégueulasse quoi. C'était. Il est... Ouais, il était dégueulasse en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Bon, écoute, photo de ton caleçon là tout de suite. Putain, il est tout propre. Il vient d'en changer toutes les 2 heures. Il sent bon. Y'a pas de carburant. On s'est pas fait livrer du carburant? Si, j'ai payé du carburant à un moment. Ouais, t'as payé, je crois. J'en suis pas sûr. En tout cas, t'as du carburant faible. J'ai payé du carburant. Il est toujours à 2 $, hein, ça bouge pas. On va rembourser le prêt. Attends, ah non, t'as payé de l'essence, tu casses les couilles. Ouais, y'avait pas le choix. Tu casses les couilles, hey, en un coup de balai à la ta connasse station là. Essence. Parce que là, elle me casse les couilles à être bloquée là. Ça fait 3 quarts d'heure qu'elle est là. J'arrive pas à la bouger. Elle va passer sa journée ici. Hein. Quoi, elle a besoin de quoi? Oh merde! Ça, ça nous a coûté cher. Hein. J'espère qu'elle va raquer. Retire le piano, j'avoue. Il prend trop de place, il est casse-couille. Ouais, mais c'est de la bonne déco. De la merde. Plus la merde, plus sa race. Pire investissement. Tu l'as volé? À la benne. $190, bah vous êtes une grosse radine, voilà ce que vous êtes. Une merde. Eh bien, vous êtes une bien grosse conne, madame. Oh, super. Oh, le gros réassort, waouh. Oh, tellement décevant. Waouh, putain, c'est ça, c'est pas du réassort de merde. C'est décevant, quoi. T'as jamais été livré aussi rapidement. Hein. Il est 100% reposé, tu vas quand même pas faire son boulot à sa place. Moins cher. $61. Putain. $61. Oh, j'ai poussé trop loin. J'étais à $2 près. Ah bah oui. Ah, il a pas. Attendez. Il a pas l'idée qu'il veut. C'est bon, on vous les a mises. Oh là là. Qu'est-ce que. Mais, oh, mais j'ai pas mon petit chéri. Vas-y, c'est bon, casse tes couilles. Hein, donc coca c'est vraiment de qu'il y a des connards qui veulent différents trucs, hein. Ouais, des fils de pute. Quoi? Pardon. Bon, allez, recrute le gars là, qui est en train de ronfler. Qu'est-ce que je... Ah oui, voilà ça que je veux faire. Mais on va jamais réussir à la payer, la dette. À chaque fois qu'on a de quoi la payer, on a un autre truc qu'on dépense. 946.30. En plus, en fait, on... Ah oui, non, on avait fait ça pour remplir le truc réparer les voitures, mais on en a réparé oui. Une seule. Oui, donc c'est, pour l'instant, c'était pas worth de ouf de faire ça. Vas-y. Venez vous faire réparer vos caisses de merde, là. Tu veux une lampe en or? Je vais te donner une lampe en or. Chez les du coup, maintenant que je sais à quoi ça ressemble, bof. C'est encore on pouvait revendre les objets volés. Ah, ce serait bien, ce serait tellement bien. Bah oui, parce que du coup, les trucs rares, ça vaudrait super cher. Eh oui.
Elle va bientôt prendre sa pause, l'autre. Putain, elle a à peine bossé aujourd'hui. Je crochète les bagnoles pour rembourser la mafia. Le culot, il va la crocheter pendant que le mec est dans la voiture. Ah, mais t'as vu, ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas les articles qu'ils veulent. Ah, mais ça va, les gars, La oh! station d'à côté, il y a du coca. Bah, je t'emmerde. Pompe à essence. Eh ben, il ravitaille là. Là. Ça Eh bosse pas ben, il va pas rapidement. nous faire chier. Oh, client garage. Ouais. Ah, on va pouvoir rembourser la mafia? Sais quoi, je vais attendre. J'ai pas envie de les rembourser maintenant, ils vont prendre la conf. Je veux. On va prendre. On va juste. T'as un Jamais malade? dé... On va jamais descendre en dessous de 1100, c'est tout ça. C'est juste ça Mais qu'on va ils faire. vont nous mettre des taux d'intérêt? Non, 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 tranquille, je les connais. Ils vont nous cramer des trucs? Ils vont nous casser des choses? Ils vont envoyer des gamins qui font des graffitis. Non mais j'ai pas envie de pas rembourser la mafia moi. Non, mais je veux garder un peu parce que là on va être à zéro, ça va être nul à chier. Oh non, mais vas-y, t'es deux portières! Grognasse! Mais ouais, elle va nous rapporter du fric. Attends, tu. Par 4... contre, Eh, ça c'est une 95 micro dollars. Hein. rayure, Ça? ouais c'est ça la question, c'est que, 95 dollars. hey, il lui montre bien. Non mais attends, c'est des micro rayures là et on dépense tout le produit, 300 300 dollars, dollars? c'est pas C'est-à-dire mal. qu'elle a payé Bah 100 non, bah non. dollars la roue. Et on a fait, ouais. Oh, ouais, bon, c'est pas foufou. C'est vraiment. Mais non, on a presque pas gagné là. Un peu, mais. T'abuses un peu, mais tranquille. On a rien gagné, on a perdu de l'argent avec cette réparation. T'abuses un peu, mais tranquille. Prix changé tous les jours à minuit du jeu. Ta gueule, toi. On a regardé tout à l'heure. Ça avait pas Toi, changé. ta gueule, tu mens. Menteur. C'est quoi là, il est. Bon, elle, vas-y, allez. Sors un flingue, achète un flingue. Est coincé depuis une semaine. Oh, on a enfin épuisé les journaux, c'est fou. Non, Je vais arrêter d'acheter non, des choses. non, non. Elle se repose. C'est quoi qu'il a acheté? Une Alors, bonbonne monsieur hydrogène? Alors, monsieur le policier, vous allez. Non mais il fait quoi? Vous allez à une manif? Qu'est-ce que c'est que ce casque de C'est quoi ce chevalier là? bordel? Ah c'est un casque, putain j'avais pas compris. Ouais. Fan de Et il vend lunettes? deux paires de lunettes. Comment ça, 18 dollars? On les vend à combien nos lunettes? Mais attends, c'est des lunettes de merde ou quoi? Bah, j'ai bien l'impression, hein, surtout. Tu vas me retirer ce piano parce que sinon je te jure que je vais me lever, je vais lui mettre une tatane. Non, en plus on voulait l'enlever donc. Comme quoi. 3 paires de lunettes. C'est mieux comme ça. Elle est coincée avec l'autre truc. Je vais péter un plomb. Ah, je crois. Tout ça pour dire qu'elle a pas sa glace! Y a pas ma glace? Ah, oh, ça va, y a son journal. Oh, à la bonne heure, y a son journal. Putain. C'est étonnant, hein. Y a ta boisson? Y a ta boisson, génial. Bon Et bah ah, tu tes veux pas pieds rembourser la dégueulasses. mafia? Eh ben fais un big réassort de tout parce que là alcool, clope, bouffe, Oh boisson, là, oh là, oh là, j'ai quand tout. même dit que je voulais pas descendre en dessous de 1100, je suis pas fou. Et vérifie le prix des pneus ou quoi, ça se trouve il y a une bonne affaire aujourd'hui. J'en suis persuadé, Terra, c'est sûr. C'est encore plus cher. Ça n'a pas bougé. C'est pas 70 dollars les pneus? C'était le plus haut prix jamais constaté, 75. Quoi, mais regardez pas comme ça, scannez vos articles vous-même là. Vous avez acheté deux fois le T'avais même, dit hein, que ça c'est bon. marchait de ouf les mots croisés et tout comme ça. Pour 18 dollars, c'est vrai que ça marche de ouf. Ta gueule! Il est mo Baraque vous avez trop d'épaules et une trop petite tête, monsieur. Vous pensez que vous auriez les épaules pour m'aider sur cette station essence? Allez, ça dégage. Vous êtes tous des têtes bizarres en fait, c'est ça le problème. Ils ont des têtes à mettre des perruques. Et Je là, commence à perdre la boule. il se fait tard. Hein. Alors là, je suis fatigué. La dernière fois, j'étais extrêmement fatigué après mon live Gas Station Simulator. Et là, je vais être encore extrêmement Quelqu'un fatigué. en garage. La poubelle est pleine. Pas celle-ci. Je sais.
Ta gueule. Ah. Mais je vais vraiment le mec dit ça au client. Ah, ta gueule. Ouais, j'espère qu'il a besoin de pneus parce que au prix où on les a eus. Deux pneus, Eva. Eh ben vous en parlerez à la mafia. Pas mon problème. Hein. On va se taper les 2000$. Hein. On dirait presque que le prêt a été worse, c'est bizarre. Attends, rembourse-le. Ah, d'ailleurs un problème, à mon avis il va y avoir un réassort très puissant qui va nous arriver dans la gueule. Bah à la station, il y a déjà plus grand chose. Hein. Ah, ça c'est de la grosse réparation. Hein. Il se passe quoi s'ils ne mettent pas un coup d'éponge avant de scanner les articles? Rien. C'est juste que l'autre, il a des gros tocs, il est obligé de mettre un coup d'éponge à chaque fois. En fait, vous, si vous gériez une boutique, ce serait une porcherie. C'est ça le problème. Non, mais il y a juste le milieu. Je te rappelle que les gens font passer de la bouffe là-dessus, hein, sur ce tapis. Hein. Elle est pas ouverte, la bouffe. Mais je m'en branle. Si son emballage est plein de caca, elle va pas être contente, la cliente. Vous êtes des porcs. Et vous avez pas d'argent, 4,40$, vous voulez que je travaille pour rien ou quoi? Je suis pas bénévole, dégagez de là. Non. Non, Terra. Pas devant 13 000 viewers. Pas devant. Non. Oh, je pensais pas que vous étiez autant. Si vous étiez 12 000, je l'aurais fait. Et là, 13 000, je regrette. Non, non, ça c'est un vrai problème. On a un vrai problème d'éthique sur ce stream. Aïe, aïe, aïe. On a des plaintes là, ça y en a. On reçoit des plaintes. T'es ban si tu te chies dessus en live. Là, je pense, ouais. $1,90. T'es là, c'est en dessous des $2. Faut... Non, mais. J'ai pas attendu ton approbation. Je n'ai jamais vu un carburant à 1,90. Non, mais t'as pas dépensé beaucoup. Hein. Par contre. T'as l'argent pour faire un big réassort là. T'aimes bien acheter, non? Non mais regarde un peu, c'est vide partout, regarde, tu vois des clopes. T'aimes bien acheter. Tu vois des clopes? Mais on en a racheté, mais comment c'est possible? Wow, comment c'est possible? Il faut qu'on achète une deuxième étagère pour le tabac. Non mais t'es un malade, c'est sûr. T'es un malade, c'est sûr. Doublé d'un fou. Regarde, on a déjà pris le grand. Un grand stand, il nous faut un deuxième grand. C'est sûr, ça part trop vite. Les gens fument. Mais t'es un... Oh non, ça marche sur le tableau, là. Voilà. Eh, cette lampe, Elon Musk qui veut pas... j'ai créé plein de trucs technologiques, je suis trop intelligent. Par contre, quand c'est une lampe en face de moi, là... Non, mais... Il veut acheter des clopes, il veut aller acheter des clopes. Putain. Bon, elle s'est reposée, la caissière, là. Tu vas la recruter? Tu parles mal à la caissière ou à moi, là? J'ai un doute. Et tu me fais un big réassort de tout. On sait que tes produits du garage sont trop chers. Donc bah dis-moi sur quoi je clique. J'ai la flemme mentale là. Tu veux quoi? Vas-y, clique. Pense à la mafia, s'il te plaît. Pense à la mafia. Il reste combien de temps pour la mafia? Pense à la mafia. Mafia, c'est ok. L'alcool, on en a plus. Famous last word. La mafia, c'est ok. Arrête! Mais on n'a pas besoin de produits d'entretien! Hein? Les journaux, on en a plus. Ça rapporte beaucoup d'argent. La mafia, c'est ok. Regardez quand je lui laisse la souris. La seule fois du live où je lui ai laissé la souris, il nous a fait tuer par la mafia. Je suis mort. Je suis... On a même pas assez pour payer! Retire les lunettes! Je retire les... Putain, c'est sûr de scroller, là. Ah, sauvegarde. Allez. On perd du temps, on va peindre. On perd du temps, il y a des gens à la caisse. J'essaie de scroller, frère. Il y a des gens à la pompe.
Il y a des gens là-bas, on perd du temps. On perd du temps. Là-haut, là-haut. Attends, quoi, elles, là-haut sont où, elles sont où les lunettes? Bah j'essaie de... Bon attends, je vais trouver. Ouais. T'en bas là. Ok, j'ai peut-être été gourmand. Vas-y, c'est bon, on achète. Quoi? Une blague? Une blague? Non, on a besoin de tout ça. Bon, on retire les chapeaux là. Non mais c'est une blague, c'est une blague. Oh. Mais attends, mais ça se vide pas les cartons ou quoi? Oh. Mais je comprends pas là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je les tabasse? Oh. Eh, je vais leur péter dessus hein. Grâce. Non mais... Trop de trucs différents. Bah entrepôt ouais alors. 460... Putain mais on avait besoin de tout ça là. Résultat, j'ai arrêté de bosser pendant... Je sais pas, je me suis arrêté 2 minutes là à cause de cette connerie. Et voilà l'état de la baraque. Putain. Et ça klaxonne, hein. Je peux te dire que là, parce que le gars est au repos, le pompiste. Ah oui, mais la livraison de carburant. Putain de merde, vas-y, c'est bon. Et recrute le pompiste. Quelle vie de merde. Oh, nous, on a pris 50 dehors cette fois-ci. La poubelle, oh ça pue. Ça qui pue. Quoi? Ça m'a échappé. C'est... Non, mais ça. Cette fois-ci, j'ai pas réussi à accepter l'autorité. Non, en plus j'ai dit c'est toi qui pue, mais tu pètes toutes les 2 secondes dans ton micro, donc en soi. Bon écoute, en soi. On a rien dit lundi soir, mais quand t'es parti, c'était une infection de plateau. On m'a aéré. Donc t'es gentil, mais doucement sur les accusations. Ah là là. Je sens tellement bon. Ouais, bah c'est pas l'avis de tous ceux qui étaient sur le plateau, plus de ton chauffeur Uber qui t'a mis une étoile. Pourtant t'as été poli et t'as parlé, hein. C'est con de mettre... de faire une erreur dans le mensonge parce qu'après on se dit que tout est faux. Ah, tu parles du fait que t'aurais pas pris de chauffeur Uber alors que t'en as pris un de Paris jusqu'au local. Alors que je suis venu en voiture... Et tu as déposé ta voiture au parking à Paris pour venir en Uber car c'était tout frais payé. Alerte. Et tu as dit que ça je paierais pas l'essence. Et oui, le réassort alors. Oh. Ah, faut se dépêcher. Vite, c'est notre seule chance contre la mafia. Il reste 2 minutes 44. On n'aura jamais de quoi rembourser la mafia, tu veux te cause prends. De qui? À cause de qui? À cause de qui? Ah mais j'avais pas vu le temps. À cause de c'est qui? Toi qui as dit fuck la mafia. J'ai pas arrêté de te dire qu'il fallait rembourser la mafia. J'ai dit je veux jamais descendre en dessous de 1100. Je veux moi, pas rembourser la mafia. Dès qu'on a l'argent, faut rembourser la mafia parce que je veux pas qu'ils nous cassent ou qu'ils nous brûlent. Et j'ai dit que jamais. Mais dis une chose. Faire c'en est une autre. Il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui agissent. T'as été irresponsable. Tu es avare. Tu as été déloyal. Tu es cupide. Tu as été et honteux. En plus, tu pues. Tu as ignoré les avertissements. Vite, fais le réassort de tout. On jettera les poubelles plus tard. Non, ça les fait partir. Il est malade en plus. Ah, il y a de la place encore. Il y a d'autres trucs pour les clopes. Mais c'est pas l'heure de manger. L'alcool.
Ok. On est. Ah, il manque des produits d'entretien, t'as pas voulu les acheter. Et je t'avais dit, hein. Va parler à la mafia, toi. Ah, mais oh. Je peux pas les mettre. La poubelle. Oh putain. $672, on est mort. C'est vrai que le garage est ouvert. J'ai un peu peur pour le stock. Vite, mais... vite. Je peux rembourser la mafia grâce au garage. Oui, mais la porte, t'as laissé la porte du garage ouvert. Je m'en branle. Ah bah, quand on va nous voler pour $2000 de vite, stock. Vite, c'est notre seule chance. C'est notre seule chance. Roue. Oh, je suis en train de voir l'état de saleté. J'ai pas le temps. De la station qui est en train de se dégrader. J'ai pas le temps. J'aurai jamais le temps, c'est trop long. T'as 20 secondes. J'aurai jamais le temps. Ça, c'est trop long. Y'a plus. T'as plus de. Y'a plus. Y'a plus. Y'a plus. Alerte, c'est fini. Fin de la partie. Fin du let's play. La mafia nous a tués. Terminé. Fais la partie, elle va peut-être payer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se. Oh non, je pas t'avais dit qu'ils allaient pas dire les pour clients. Tout casser. Pas les clients. Oh, j'en étais sûr qu'ils allaient tout casser. Et est-ce qu'on est exempté de dette? Qui pose la question avant qu'il s'en aille? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes... Non, mais parce que peut-être que le coût des dégâts est moins important que le coût du remboursement. Ouais, moi les moins 100 popularité, je les ai pas vu passer. On est quand même 98% bah, du level 5. On a eu tellement de popularité que... Si ça veut dire gagner 1000$, moi je veux bien. Bah écoute... Parce que c'est bien ce qu'on vient de faire, de gagner... Ils ont rien pris. En vrai, ils ont pas pris grand-chose. Hein. Bah, ils ont cassé des bouteilles. C'est rien. Oh. Ouais, bah en plus, ils ont mis un message gentil. Ils ont signé le livre d'or. Ils ont pris du stock. Oui. Non. Mais vite fait, je pouvais pas scroller, ça marchait pas. Mais en vrai, ils ont pas pris énorme. Bon, par contre, faut commander des bitonios là. Ça là. Y a plus qu'un pneu. Vas-y. Non mais c'est. Y a plus rien. Mais non, parce que le coût d'achat est trop important. Regarde ça, on va pas acheter ça. Pourquoi on achèterait ça? Pourquoi on gagne $5 dessus? On les vend 100. Genre c'est ça n'a aucun sens. Aucun. À l'heure actuelle, ce n'est pas rentable de réparer une voiture. Voilà tout. Voilà, il faut dire ce qui est sur le marché du garage aujourd'hui. C'est pas rentable. Moi j'ai le couteau sous la gorge là toutes les fins de mois. Oui, il n'y a pas de lunettes. Il n'y a pas de lunettes. Bah prenez celles-là, elles sont toutes aussi jolies. Puis allez vous faire mettre pendant que vous êtes là aussi. Prenez un sudoku, détendez-vous là. Et remets des glaces, elles vont fondre. Non, pas celle-ci. Oui, non, mais regarde. C'est bon. Ah oui, parce que vu que tu remplis de me faire chier. Arrêtez de me faire chier maintenant. Mais évidemment qu'il n'y a pas ton casque de beauf, de merde. C'est derrière ces rustres. Pourquoi personne m'a dit pour la mission crochetage? Bien sûr que ça augmente. Hey. Je suis certain que pendant qu'il y a cette cinématique, je suis en train de me faire gicler dessus par la peinture. Franchement, ça vaut le coup de se faire casser la gueule par la mafia. Hein. Ok, ça va. Ces gros cons, ils ont pris moins de valeur de stock que ce qu'on leur doit. C'est des merdes, voilà ce que c'est. Ils sont cons. Ils ont pas compris qu'on avait gagné dans cette histoire. Après, ils ont quand même tabassé 5 clients, quoi. Ah, mais on se retrouve avec $1260. Bah ouais, en vrai, on s'en est super bien tiré. On a toujours pas de quoi payer des réparations de bagnole, mais... Mais ça, c'est pas une question de moyens. C'est parce que c'est trop cher. On va pas vendre à perte. Allez, on va faire dans l'ordre. Chacun son tour. Suivant. C'est vrai que quelqu'un dit regarde si tu dois payer sur ordinateur, mais en vrai je pense pas que tu dois payer parce que sinon on aura un message.
C'est vrai que si en plus de ça ils nous font payer. Balai devant la porte pour éviter les traces de pas. Toi tu dis ça mais en mode comme si c'était la vraie vie du con. Pardon hein. Ouais, eh, hey, du con. Du con il a dit, d'accord. Non mais il l'a pas volé celle-ci. D'accord. Bon. T'as capté? Il te reste encore 5 voitures à faire en 3 minutes. Je voudrais faire celle qui s'arrête aux stations essence. Il y en avait pas au moment où j'ai regardé. Alors? Il veut quoi lui? Il veut se faire projeter sa bagnole de merde? Ah, il bouge un tout petit peu du coup. Non. Pardonnez. Eh ben, au nez aux yeux de la police, hein. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, y'a du sable sur la route devant la station essence, ça se trouve il passe pas. Oui. Y'a le petit con hein. On peut pas lui foutre des patates directement? Oh petit con, j'ai trouvé un pneu, je te préviens ça va faire très très mal. Il est où? J'entends courir. Non. Il rentre dans la boutique. Enfoiré va. Touche pas à ma boutique. Oh l'enculé. C'est bon là. Tu n'iras pas le chercher. Mais voilà. Elle se repose. Le tas de sable. C'est des clients en moins à la pompe. Ça veut dire que c'est de l'argent gaspillé. Il y a deux places. Il y a deux places. Et s'ils veulent passer, ils passeront. Bon. Est-ce qu'il y a de l'essence dans mon bousin? OVNI. T'as 1 minute 30. Quoi, OVNI? Y'a pas d'OVNI. On veut voir l'OVNI. Quoi, l'OVNI? Regarde ce con, regarde. Non, alors mais, là... mais j'en ai vu des cons, mais alors. Ma chérie, Théa. Contre voilà. Sens. Voilà, ça dégage. T'as plus que 1 minute pour projeter 3 voitures. En voilà une. OVNI dans l'inventaire. Objet OVNI. Ah. Oh là là. C'est le pire crochetage débutant de ma vie. Eh ben, c'est pas Arsène Lupin. Faire le côté. Y'a un tas de sable et j'aimerais y accéder, donc c'est un truc de ouf. Elle vous fait chier celle-ci, hein. Oh, tu prends ton balai, tu me dégages ça. Oh, c'est bon. Incroyable. Vous avez eu l'OVNI dans un coffre de voiture. Oui, bon, on va vous le regarder, votre OVNI. Oh putain, on va avoir deux salariés hors pot. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Faut fermer la station. Tu veux qu'on la ferme? Ouais, c'est le moment de mettre un stop. Hein. Pourquoi je viens de voir qu'il était minuit 35? Pour ça que je te dis qu'il faut qu'on la ferme. Et pourquoi elle fait ça? J'avais absolument pas vu l'heure, en fait. J'étais en mode vas-y, je fais ça pendant 8 heures. Bah, on rassurez-vous, on n'a pas beaucoup de live où on a un programme de prévu donc. On va servir les derniers clients. Vous en bouffer. Hein. Mon scan de 120, truc combien?
Oh, il était vraiment élevé. J'avais un combo scan de 10 milliards. C'était vraiment un beau combo scan. J'ai envie de crever, putain de merde. Putain, j'ai trop le seum. Et on a 1 800 $. On peut être à tête reposée, franchement. On a fermé la station. Je balayerai tout. C'est la fin de journée. Je balayerai tout en boucle. Elle est fermée la station, qu'est-ce qu'il faut que ça bagnole lui? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes malade ou quoi? Bon, on va servir histoire 2, mais c'est fermé hein. Mais. Ouais, d'accord. Oh, t'as pas inventé la poudre au chaud, toi. En gros, hein. Vous êtes une abrutie, c'est ça? Vous êtes une abrutie finie, si j'ai bien compris. Bon, en gros. Oh merde, j'ai dépensé de l'argent, ça coûte de l'argent de faire ça. Bah ouais, ça coûte du fric, mais peut-être pas beaucoup vu que c'est la première fois que tu le fais. Ça m'a coûté un peu quand même. Ouais. Ok, mais l'objet OVNI alors. Ah. J'ai jamais rien vu d'aussi moche, honnêtement, entre c'est nous. C'est très très moche, mais j'ai jamais rien on est vu. Près de la route 66, donc tu sais quoi, les gens ils vont être en doigt, putain, c'est vraiment un bar fun et décalé. Putain, puis ça prend de la place en plus cette pour merde. L'instant on a rien, mais je peux vous dire que c'est vraiment pas ce que... C'est le truc que je vais virer en premier. Bon, eh bien, pendant que je balais, merci d'être venu. Merci, hein. Désolé pour les pégluants, hein. Oh bah t'sais, c'est pas grave, hein, c'est... Non mais ça arrive même au meilleur, hein, j'imagine. On fait comme on peut, hein. Y a de l'herbe sur la route. Oh putain, et puis vraiment, ça je peux dire que tu pourras pas la couper, hein. J'en peux non, plus, mais quoi. Quand tu fermes la station, on mettra un bon coup de peinture à tous les bâtiments qui ont besoin d'être peints. Ouais. Pour la prochaine fois, il y aura un bon coup de peinture qui sera fait partout. On peut acheter, là? Non, bah non. On peut avoir un troisième salarié? On l'a jamais fait. J'ai envie de mourir. J'ai envie de me mettre des claques dans la gueule. Putain, ravitaillement nettoyage. Niveau 3. Ben, en vrai, oui. Réparation, c'est pas fou, hein, parce qu'il n'y a pas assez de matière. En vrai, tu peux faire toi-même la réparation. Mm. C'est de temps en temps. Nettoyage. Nettoyage, hein. Après, le problème, c'est que le nettoyage ne rapporte pas d'argent. Ça nous fait juste gagner du temps. Mais s'il fait les poubelles et tout. C'est vrai. Poubelles, balais. S'il fait bien son taf, ce gros connard. Ah, bonjour. Non, mais ça va. Ça va le faire. Je pense qu'au final, il nous faut ce mec-là. Ça semble logique. Ça ouais, nous a quand même bien ça, fait ça chier. Ça prend du temps. Ça nous a quand même faire bien les fait poubelles chier. Et tout, genre, au bout d'un moment, ça prend du temps. Aujourd'hui, ça nous a causé quelques bricoles. Bon, il faut savoir s'arrêter. Donc, on va s'arrêter. Je vais sauvegarder là. Et c'est parfait. Mais écoutez, dans ce cas-là, je propose que vous allez vous faire foutre. Ouais. Et on se dit à dimanche. Allez-y gaiement, et dimanche. Et moi, je vais aller me reposer parce que j'en peux plus en fait. Ouais, t'as bien bossé, hein. Ouais. T'as bien mérité de pas être payé. J'espère que vous avez mis 400 000 subs pendant le stream. J'ai pas vu, mais. Ouais, au moins ça. Je pense que c'est le cas, quoi. C'est sûr. Grosse journée de boulot. Allez, à la prochaine. Au revoir. Salut. Ciao.